Resto Geek. Bonjour voyageurs, bienvenue au comptoir. Installez-vous, prenez un verre, on va discuter tranquillement des dernières histoires. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, Lisanne, elle est là, elle regarde les Napoles, elle... Oh merde ! Bonsoir tout le monde. Le présentateur qui craque. Oh merde, je suis en train de le tuer. Oh merde. Attendez, oh merde, faut que je remette mon fut. Ah, pas les mettre. Alors faites pas gaffe. Faites pas gaffe au premier. Ah merde, c'est vrai, on est en live, j'ai pas de fuite. Et du coup, enlever le premier lien du share vidéo là, parce que c'est pas tout public. Bref. Oui, c'est bon. Oui, on t'entend. Ouais, mon petit micro a eu un bug 2 secondes, mais personne s'en est aperçu, c'est bon. Marino dit Sonata Allo. Et on m'entend ? C'est parce que je dis de la merde ou c'est parce qu'on m'entend pas ? Non, je pense qu'on t'entend. Non, c'est bon, on t'entend. Bien. Du coup, oui, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'édition numéro 16 déjà de Au Comptoir de Resto Geek. Nous étions en conversation privée juste avant que Thibaut daigne lancer le live du coup. Bon, j'espère que vous allez bien. Ce soir, diverses news, avis, choses sur lesquelles on a envie de partager nos avis avec vous du coup. On va rapidement vous parler du Nintendo Direct et des annonces qu'il y a eu sur Pokémon. On va vous parler ensuite cinéma avec un trailer de Vice Versa 2, un film que je ne connais pas. Kung Fu Panda 4 aussi. Tu connais pas Vice Versa? Non. Donc je vais découvrir. Sans déconner. Pour faire tout ça. Bon bah c'est nous qui allons meubler, typo. Mmh. Et typo nous parlera de la F1 Academy. Ensuite, on donnera notre avis tous les trois parce qu'on a vu tous les trois Dune 2. Je vous parlerai un petit peu de mon ressenti sur la série d'Avatar et puis le dossier du mois qui sera sur notre cher Akira Toriyama qui est malheureusement décédé fin de semaine dernière. Oui. Voilà. Voilà. je pense qu'on peut enchaîner tout de suite. Sur les actualités. Excuse-moi, mon cher présentateur, il va falloir qu'on discute d'un truc sérieux tout de suite. Oui. Là. Je tiens à remercier Stalas. Comment ça, t'as pas vu la ligne verte? Attends. C'est moi qui ai pas vu la ligne verte. Ben, j'ai pas vu. Sérieux là, t'as pas vu la ligne verte? J'ai un nombre de films incalculable à rattraper. Moi aussi. Mais je regarde trop de vidéos YouTube. Mais voyez le bon côté, c'est que moi je vais pouvoir le découvrir. Oui. Je regarde trop de live et trop de vidéos YouTube. Du coup, j'ai une culture web que vous n'avez pas, ça se trouve. Ok, bref, les actualités. Oui, les actualités. Je laisse mettre le trailer de. Déjà, il a mis la transition. Oui, c'est ça. Il y a une synchronisation entre le. Entre Kessy. Entre la régie et. Non, mais globalement, c'est du coup, parce que Kessy, ça a l'air d'être perturbé par l'introduction de Sonata. Ah oui, je repense encore à Lisa. Pardon. Non, en vrai, il n'y a pas. Alors, oui. On n'a pas grand chose à dire sur la première chose. En fait, on va vite passer au trailer de Vice Versa. Et c'est juste qu'on a vu passer l'info que Nintendo confirmait la suite d'un Super Mario avec le studio. Comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié comment il s'appelait le studio. Luminous. Le studio Illumination. Illumination, pardon. Illumination, merci. On confond Luminous Production. C'est ça, qui vont pouvoir faire la suite. Donc une bonne nouvelle parce que j'avais beaucoup aimé le premier. Et il était très joli aussi. Ça sentait qu'Illumination avait fait de la RDD. Si, RDD, c'est ça. Hein. C'est RDD. La recherche et développement. Ouais, la c'est recherche bien. Et développement sur le. Oui, parce que pour le coup, ils ont. Je trouve qu'il y avait des trucs plus jolis que dans les mignons. Hâte de voir ce que ça pourrait donner une suite, voir ce qu'il pourrait y avoir comme autre personnage qui pourrait arriver. Et puis voilà, mais en tout cas, content d'avoir annoncé ça. Birdo, le personnage important et principal du film. Yoshi et Birdo, c'est vrai qu'on les a pas vus. Birdo qui commence une carrière d'acteur porno.
Et oui, j'ai bien dit acteur. Et là, c'est la révélation. Qui savait que Birdo est un homme ? Putain. Pas moi. Eh bien, je vous l'apprends. Mesdames, messieurs, Birdo est un homme, et depuis Super Mario Bros. 2, il est écrit dans le livret du jeu de Super Mario Bros. 2. Alors, notre Super Mario Bros. 2, pas le Super Mario Bros. 2 au Japon, parce que c'est pas le même, mais Birdo est un homme qui aime s'habiller en fille. Waouh. Voilà. Sitôt dans le jeu vidéo, incroyable. Parce qu'on dit une questiste ne parle pas de A2, mais non, pas encore. Non, alors Stalas, tout le monde ne le savait pas, parce que toi, contrairement à ce qu'on pense, tu es cultivé en matière de jeux vidéo. Il y a quand même un petit tacle derrière. Donc, voilà, ça c'est la première petite news. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que le premier film était cool. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ensuite, je pense qu'ils ont indiqué quoi, 2025 2026. Ouais, ça prend du temps hein, parce que le premier était très très beau. J'espère, par contre, par pitié, j'espère que Jack Black sera de retour pour Bowser. Bah, si Jack Black vous monte, allez voir Kung Fu Panda 4. On en parle après. Ouais. Bah, tu me diras pourquoi ne pas parler de Kung Fu Panda maintenant, du coup. Malheureusement, je ne pourrais pas aller le voir au cinéma. Ma chère étendre n'est absolument pas hypée par Kung Fu Panda 4, ce qui me fait grand chier parce que j'adore Alors, Kung Fu Panda. Ma chère étendre me faisait chier avec les pandas depuis beaucoup de temps et n'avait pas vu jusqu'à il y a 6 mois Kung Fu Panda. Et alors, c'est bien ? C'est trop bien. C'est incroyable. Bon, je ne sais pas, ça ne m'a jamais attiré Kung Fu Panda. C'est vrai, alors, et ben, je te propose qu'on garde la bande annonce du 4. Ouais. Le 1 est très bien. Alors. Le 2 est sympa. Le 3, il a un des méchants les plus cools des films d'animation que j'ai jamais eu. Alors, attendez. On va remettre au début. C'est juste qu'il faut que je vous mette du son. Tu dois c'est vrai qu'il y a ce l'étape suivante. On en a pas parlé, ça. Il n'y a pas de trailer. Le guerrier dragon. Je crois que si. Non, non, c'était la série Knuckles. Spirituelle, ah oui, il y a la série Knuckles. Il lui remit son putain de chapeau. Si, on a juste une révélation. Fuyez des nageoires de mon territoire. Affamé, à manger, légumes et nouilles sautées. Ah, ça marche pas du tout. Tai Lung. Oh. Je suis fan. J'avais pas vu la bande-annonce pour soigner trop tard. J'ai oublié. Le fou des plus grands méchants. Personne n'osera douter de mon pouvoir. Pas même l'illustre guerrier dragon. C'est qui ça ? La plus puissante sorcière polymorphe, la caméléone. Et comment je la trouve cette la caméléone ? Je vais t'amener tout droit devant sa porte. On est face à une armée ? Alors, on va créer notre armée à nous. Mais on est où, là ? Les plus grands escrocs et criminels vivent ici. T'es une criminelle recherchée ? T'as l'air étonné, c'est étonnant. Attention, les enfants, les feux d'artifice, c'est dangereux. La violence chatouille le bidon. Pourquoi on vous aiderait ? On peut battre la caméléone tous ensemble. Guerrier dragon, c'est ce que je fais de mieux ! Skadouche ! J'y connais quoi en guidage spirituel, sérieux ? Que tiens-tu dans la main ? Un cookie ? Ah. Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu es déjà. Mais du coup, il a fait. Comment on règle ça ? Si t'es sans douleur ? Ou lentement avec douleur ? Lentement avec douleur ! T'as trouvé un rival à ta mesure, Caméléon. On se ressemble, toi et moi. Skadouche. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Okay. C'est le mot de base. Nous dans le JDR, on y allait doucement. Véridique. Ah, bah je voulais pas me spoiler à la base, j'avais oublié, mais tant pis. Et sorti quand le premier déjà ? Oui, attends. Alors, attends, laisse-moi deux secondes, j'ai relancé la musique exprès. Bonjour, voyageurs, bienvenue au comptoir. Où est-ce qu'elle est ? Hop là, désolé.
Voilà, c'est bon. Ça fait un petit moment parce que pourquoi pas. Ils ont fait d'autres trucs en 2011. Le premier. 13 ans, ouais. Ah ouais. 13 ans. Ah non, pardon, 2008. 2011, c'était le 2. Je suis vieux. 15 ans, diantre. Ouais. Diantre. Globalement, pour ceux qui ne connaissent pas Kung Fu Panda, même si on vient de le voir, c'est globalement l'histoire d'un panda qui est fan des chevaliers dragons, tout ça, des samouraïs, du Kung Fu globalement, et qui finit par être choisi pour être l'élu du Kung Fu, et qui est finalement plus fort que les autres, et malgré son gros bidon, son fort appétit, tout ça. Le premier, c'était plutôt sur une recherche, c'est lui qui a les pouvoirs et il n'était pas plutôt exclu. Je ne sais plus c'était lequel, il y en a eu un où c'était un peu sur sa famille aussi qu'il avait perdu. C'est le 2. C'est le 2, le 3, j'ai oublié le coup. Enfin bref, et là le 4. D'ailleurs, la révélation sur sa famille est terriblement drôle. Sur la recette secrète et tout le monde, enfin, c'est hilarant. C'est le 3, pardon. C'est le 3, pardon, je crois, où il y a sa famille Panda. Le 2, c'est... Je l'ai un peu oublié. Le 2, il est moyen. Il est pas nul, mais je m'en souviens plus trop. Surtout parce que le méchant, il est pas incroyable. Alors que le 3, le méchant est vraiment remarquable. C'était le 3 avec... c'est le Pan. Ah, c'était avec le Pan, ouais. Mais le Pan, c'était avec sa famille. Ah non, c'était juste une partie de sa... On savait qu'il avait été abandonné, mais il n'y avait pas plus. Et dans le 3, il retrouve... Ouais, c'est la fin du 2 qui retrouve ses parents, je sais plus quoi. Ok. Ouais, enfin bref, c'est le genre du bon, moi, que j'aime beaucoup. Il y a de l'action, c'est plutôt sympa, c'est très bien animé. De toute façon, c'est du DreamWorks, c'est du pas de bêtises, hein, c'est du DreamWorks. Ouais, j'adore DreamWorks pour tout ce qu'ils font généralement. Ah non, c'est un Shrek 5 d'ailleurs aussi. Si, je crois. Pardon. À voir. Oh non. Si, ils ont manqué à Shrek 5. Ensuite, je dis oh non, mais ils ont fait le chapeauté 2, quoi, et ça déboîte. Donc. De toute façon, ce sera peut-être déjà moins ouf parce que la voix d'Eddie Murphy est mort. Donc... Alors, on s'en fout, c'est un Chabon en France. Non, mais. Ah, pour l'âne. Oui. La voix française d'Eddie Murphy est morte. Ouais. Ah mince, ça c'est dommage. Ouais. Oui, non, mais après, ouais. Donc, enfin, voilà, moi je pense que j'irai le voir ça sortir au cinéma parce que. Je n'ai jamais vu un Kung Fu Panda au cinéma et que ça vaut le coup quand même. Et puis si vous voulez le voir en VO, vous aurez j'ai oublié son nom. Jack Black. Jack Black, merci. Qui double le qui et qui sera là pour chanter Peach, 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 Peach. Alors, il y a déjà des vidéos qui circulent où il chante pour Kung Fu Panda sur les réseaux. il avait fait une reprise pour le premier, il avait fait une reprise de Kung Fu Fighting. Pour le film. Là, il a refait un autre truc, je sais plus ce que c'est, mais enfin bref, c'est incroyable ce mec, comme il est fou. En vrai, si vous n'avez pas vu Kung Fu Panda, je vous les conseille parce que c'est pour la sortie de Kung Fu Panda 4, il a fait une reprise de Hit Me One More Time de Britney Spears. Voilà. On passe à la suite. Yes. Voilà. Ouais. Alors du coup, je me suis permis de mettre pour la suite du coup le titre de Sonic the Hedgehog 3 qui a été révélé. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un mini teaser où on voit que dalle, mais. Ah, on voit que dalle. Si, on voit un gros truc quand même. On voit Shadow, wesh. Attends. Oui. Ah oui. Shadow. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Le 1, je l'ai trouvé très très sympa. Je n'y attendais pas du tout. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un film très sympa, très regardable. Pareil, le 2, ouais. Je suis allé le voir au ciné avec une pote. Et du coup, le truc, c'est que je l'ai trouvé beaucoup plus pour les enfants. Mais alors, c'était pas du tout... Voilà, il y a une grosse prise de risque parce que du coup, moi, je l'ai trouvé très enfantin, à part la fin. En fait, où, ouais, c'est le scénario principal où ils vont se marier ou autre. On dirait une comédie Ouais, classique. J'ai l'impression de mettre une sitcom... Et au milieu, il y a Sonic qui fait des blagues. Je trouvais ça assez surréaliste. En vrai, c'est un morceau de film très intéressant à regarder parce que en fait, il est super étrange ce film. Et du coup, j'ai trouvé qu'il passait bien parce qu'il était tellement curieux à regarder. Mais je pense pas que c'est un film que je remettrais. Mais avec un peu d'espoir. T'enlèves toutes les parties avec l'humain, ça passe. Ouais.
Oui, parce qu'en plus, les histoires de mariage et tout, en fait, il n'y a jamais les personnages de Sonic, et en fait, on s'en bat les couilles. Par contre, derrière, ce qu'ils ont fait avec Knuckles, c'était incroyable. Oui. Je parle pas de la série, je parle de ce qu'il y avait dans Et Knuckles, quand il apparaît, j'étais prêt, physiquement, je me disais, ok, d'accord, et sa voix, putain de merde, en VO. Ouh, oh, comment il envoie la patate, l'enfoiré. Je sais plus qui fait son doublage, mais... Idris Elba en VO. Ouais, voilà. Je me disais qu'il y avait un black derrière voix, pour avoir une voix aussi profonde et tout. C'était... Waouh. Quel super chouette doubleur pour Knuckles. Enfin bon, une apparition de Knuckles ultra cool. Un Knuckles qui est globalement cool pendant tout le film. Une fin dantesque. Et au milieu, un film d'humour pour enfants complètement what the fuck. Enfin bref. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Étrange. Ouais, je suis d'accord. C'est très bizarre. Ouais, c'était super bizarre. Mais bon, avec Sonic Knuckles, 3 avec Shadow, ça va être plus sombre, j'espère. J'espère. Ouais, c'est intéressant, en tout cas. Parce que Shadow, il a quand même une histoire avec Maria, ouais. qui est dark. Mériterait vraiment un super film. Tout à fait. Là, pour le coup, j'attendais pas grand-chose de Sonic 1. C'est quelqu'un qui protège, c'est ça ? Ouais. Ouais, un truc comme ça. Et avec un peu de chance, en plus, on aurait... Alors, c'est pas Emerle, comment il s'appelle Donc forcément, il y aurait nécessairement, s'il y a Shadow, le retour d'Eggman. De toute façon, ça, c'est une certitude. Jim Carrey. Ouais, avec... Bon, probablement, je pense pas qu'ils vont enlever Jim Carrey, mais le méchant dans Sonic Adventure, c'est K.O. K.O., tout simplement. Je serais curieux de voir K.O. en guise de méchant. Ce serait vraiment cool. K.O. C.H.A.O. Ouais. K.O. Non, O.S. Chaos. Ah, le... Chaos. C'est le verre de flotte. Ouais, c'est dans Sonic DX. Ok, bah oui. Bah ouais, je suis curieux. En tout cas, j'attendais rien de Sonic 1 parce que je me suis dit, on va lancer on va laisser faire ce qu'il faut, à part le design qu'ils ont refait. Sonic 2, je n'entendais pas grand chose non plus. Par contre, là, Sonic 3, s'il y a Shadow. Il va falloir faire gaffe parce que Shadow, vraiment, il touche à un truc chez les fans qui est très très précieux quand même. Hein. Ouais. Shadow, c'est quand même le personnage des fans où il faut faire attention à ce que tu fais. Avec. Alors, t'as l'air de bien aimer Shadow, du coup, je ne sais pas si tu l'as vu, mais sur Netflix et pour tous ceux qui sont intéressés, il y a une série qui s'appelle Sonic Prime qui est en 3 saisons, qui est très bien. J'ai tout maté, ça se regarde bien. C'est okay. Voilà, Sonic qui, malgré lui, alors forcément, on est en 2024, donc du coup, la mode est toujours pour certains, enfin, du moins, la série est sortie en 2022-2023, donc la mode, c'était le multivers. Donc Sonic brise un cristal qui l'envoie dans le multivers. Bon, okay. Voilà, et du coup, il se retrouve dans une version où il y a 5 Eggman qui bossent ensemble. et du coup, tous ses potes ont chacun une version dans chaque dimension qu'il va visiter, et lui n'existe plus. Et c'est assez sympa, ça se regarde bien, il y a plein de moments sympatoches, il y a une grosse évolution, surtout c'est une série, c'est pas une série avec des épisodes uniques, c'est une série Netflix, donc du coup avec un fil rouge, et le fil rouge se suit jusqu'à la fin. Un retournement de situation à la fin de la saison 2, une saison 3 finale assez cool, un petit peu longue, parce que c'est en gros, faut imaginer que la saison 3, c'est un espèce de gros épisode divisé en 7. Et puis voilà, c'est un bon moment à passer si vous avez quelques minutes à tuer. L'animation n'est pas dégueu, Sonic est rigolo. Au début, insupportable et touchant, et il y a Shadow, qui est cool. Voilà. Même si okay. Du coup. Je vais regarder ça. Voilà, et Shadow, ils ont été obligés de le foutre dans un. Enfin, ils ont été de le limiter parce qu'il est beaucoup trop fort. Donc, du coup, ils ont été obligés de le nerfer. Bref, voilà. Donc, Sonic Prime, sympatoche. Ok, ça marche. Bah, écoutez, ouais, en tout cas, j'ai hâte de le voir comme Sonic 3 pour. Par curiosité, quoi. Mass Marino qui vient d'avouer que le GOTY 2024, c'est pas TOTK. Et bah, putain, on aura tout vu ce soir. Ouais, non, mais la prochaine fois qu'il parle de ça, je pense que je lui renlève ses droits. vice-versa, du coup. Vice-versa, du coup. Yes, allez. T'es qu'à GOTY 2024, tu peux lire le soir. Salut, ici Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Faites du bruit pour notre championne. Tristesse est dans la place.
Voilà, colère. Il m'énerve. Et n'oublions pas de mettre nos protège-dents. Père, non, recrache, c'est pas à nous. Dégoût. Heureusement qu'on t'a dans les dents. Notre petite Riley grandit tellement vite. Désolée. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait tourner mal. Salut. Je suis anxiété. Je les mets où mes affaires? Ça, c'est mon émotion principale. Oh, désolé, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? Bienvenue au club. Je suis en vie. Oh, j'adore tes cheveux. Je sais, ouais, on touche pas. Et voilà, ennui. Ennui, c'est qui? C'est le nouveau mal du siècle. Comment tu t'appelles, mon grand? Je vous présente Embarras. Bienvenue dans le quartier cérébral, Embarras. Oh, on se fait un petit check? Non? Oh, non. Top là. T'es le champion du monde des mammouths, toi. C'est un Pikmin. Nous avons une mission à accomplir. Moi, je prépare notre avenir. Tu veux venir avec nous? Ces filles sont trop cool. Mais faut pas qu'elles sachent qu'on attendait que ça. Je m'en occupe. Joie, je me disais que je pourrais peut-être essayer. Merci, de... pas maintenant. Yeah, yeah. Eh ben voilà, c'est très exactement tout ce qu'il fallait faire. Le changement, ça fait peur. À nous de jouer. Hé, hey, Riley! Il nous faut de nouveaux amis, sinon on va se retrouver toute seule au lycée. Faisons table rase du passé. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous. Je crois que notre potentiel t'échappe. Nous sommes des émotions réprimées! L'opération Nouvelle Riley commence. Venez! Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Oui, plusieurs fois. Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage! Je sortirai plus jamais de cette chambre! Oui, ça va être sympa les 10 prochaines années. Oh, quelqu'un pourrait me pincer. Oh, on est bien réveillés! Le 1, c'était le même concept aussi? C'était le même concept. Ah, tu l'as vraiment pas vu? Non, c'est vrai que c'est film Pixar un peu comme ça. Le visuel m'attire pas du tout en fait. Ah ouais? Il est vraiment bien. Enfin, c'est beau, mais. Juste ce que ça a l'air d'être, ça m'attire pas, tu vois. Ouais, la DA est particulière, ouais. Comme le bah, globalement, t'avais les, tout, en fait, les émotions qu'on avait vues au tout début et qui étaient là dans le premier. Donc, c'était vraiment la petite fille qui a la joie, la colère, la tristesse. Le dégoût. Et la peur. Et la peur, merci, ils m'ont moqué. Et du coup, là, ils ont bien cerné l'adolescence, je trouve. C'est un film très intéressant sur l'acceptation de ses émotions. Et sur la famille, et sur le deuil, c'est un film qui parle de beaucoup de choses très, très importantes dans la vie d'un adolescent. Et je l'ai trouvé très touchant, le film. Il m'a quand même fait verser les larmes. Ça va me servir de psy, il faudrait que j'y aille alors. C'est un film vraiment bien qui parle de comment gérer ses émotions, apprendre à accepter qu'aussi les émotions sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pense. Et aussi l'évolution de la psyché d'un enfant à partir d'émotions simples qui vont se complexifier en vieillissant. Ouais, parce que là, en rajoutant les émotions, ça va être vraiment un truc genre, vraiment intéressant, je trouve. Alors, le truc, c'est que là, cette bande-annonce-là, plus longue, je ne l'avais pas vue, j'avais vu que la première, on voyait juste apparaître l'anxiété. Et j'ai un peu peur que ça fasse un peu juste un film d'aventure. Ça ressemble un peu au premier, en gros. Là où dans le premier, c'est à joie et tristesse qui se retrouvent propulsés à péter au schnock les oies. Ouais. Bah, là, ça fait un peu pareil, sauf que du coup, le méchant, c'est d'autres émotions, mais... Je suis pas super convaincu du déroulé, quoi. Alors que du coup, le truc, c'est que la morale au final de ce que je vois, ça peut être que la même que le premier film. Ensuite, j'espère être étonné. Après tout, Pixar, ça reste des génies de l'animation et globalement, leurs scénarios se tiennent la route. Donc voilà, c'est juste que. Ouais, même leurs suites généralement se tiennent la route. Donc... Ouais. Je m'attendais pas à avoir un Vice Versa 2. Bon, parce que. Ouais, pourquoi pas? Donc, surtout qu'en fait, c'est vrai que vu que c'était la petite fille, elle était vraiment petite, parler de l'adolescence, je l'avoue que c'est pas mal. Ouais. Faut voir comment ils vont l'avoir traité et s'ils vont l'avoir bien traité. J'espère que oui, mais c'est vraiment une bonne chose et ouais, c'est intéressant. Apparemment, Pixar aussi a un film de science-fiction prévu pour 2025 qui s'appelle Elio. Dont on n'a pas d'image. Okay. Très bien. Bon, bah écoutez, à voir. Hein. De ce que vous me le vendez, ça a l'air quand même plutôt intéressant. Donc... Bah, en vrai, regarde le premier. Parce que le deuxième, on ne sait pas ce que ça donnera. Mais regarde le premier si tu as l'occasion. Enfin, moi, le Blu-ray pour mon anniversaire. Ce qui m'embête un peu, pour ne pas mentir, c'est que dans les derniers films, il y a eu quoi
Toy Story 4, qui était très bien. Excellent. Le 2. Ouais. Mais vraiment. Il y a eu en Toutes avant. Toy Story sont quand même bien. Il y a eu en avant qui n'a pas été trop apprécié. Moi, je l'ai beaucoup aimé parce que forcément, ça arrive pour les geeks de jeux de rôle. Et du coup, j'ai beaucoup aimé en avant. Soul, je l'ai trouvé. Mais. Soulant C'était nul. Stalas, tu dégages. Lucas, je ne sais pas si vous avez vu Lucas. Il est très bien, par contre. Non, Alerte Rouge, apparemment, il était vachement bien aussi. Vachement bien, je ne vois pas jusque-là. Il m'a fait rire, il était sympa, mais il n'est pas incroyable. Buzz l'éclair, je ne l'ai pas vu, il n'est toujours pas sorti sur. Ah, Buzz l'éclair. Ah non, il est sur MyCanal. Pardon. Et celui-là, il était cool. Je ne l'ai pas vu. Parce que pour le coup, c'est une histoire autre. Ouais, j'avais vraiment envie de mater Buzz l'éclair. Moi, il m'avait saucé au cinéma. On a été le voir au cinéma. J'avais saucé, mais j'avais entendu que c'était moyen, mais non, c'était bien. Bon, c'était bien. C'était pas non plus le film du siècle. Mais moi aussi, j'ai entendu parler que c'était moyen. Moi, j'ai apprécié. Mais après, bon, bah tant mieux. Ouais, ça fait du bien d'entendre un avis positif parce que moi, j'avais beaucoup d'attentes du film. Le film avait sérieux, une espèce de. En plus, après, comme dirait ça là, j'ai apprécié Astérix et Obélix. Oui, oui. D'accord. Voilà le niveau d'attente. Super, génial. D'ailleurs, j'ai cru entendre qu'ils avaient un Toy Story 5 dans les tiroirs. Oui, oui. Toujours. Petite fille était vraiment petite, mais de quoi vous parlez, les gars? Bon, je sais pas, vaut mieux pas savoir, à mon avis, c'est très pervers. Reparlez de Lena Paul, les mecs. Hein. Allez. Allez. Ou d'Iris en petite tenue. Voilà, c'est ça. Ou de Toubi. C'est la spécialité de Castis. Bref, et dans et les tout. Actualités, du coup, dernière. Ouais, c'était les actualités filmiques. Ouais, bon, on en reparlera d'un après, mais. Ouais, moi, c'est un peu pour donner notre avis. Oui, c'est plus un avis, oui. Nintendo Direct, du coup. Ouais, Nintendo et Pokémon Direct. Je vais laisser Sonata nous en parler rapidement. On va laisser Tipo faire une transition qui défonce. Oh, on est toujours dans les actualités, non? D'accord, ok. Je sais pas, vu que là, c'est les jeux vidéo, ok. Alors, non, j'ai pas de transition. Alors, pour tout le monde, hein, j'ai actualité, avis après le jeu. Alors, le Nintendo Direct, de quoi le ça Nintendo. Parle alors, on a eu le droit à un portage de. Pourquoi tu coupes à chaque fois? J'ai pas le droit de faire ma diffusion. Faut que tu fasses play. Bah, c'est ce que j'ai Resources fait. To build your base and craft weapons, donc, c'est une. On a le droit à un portage de Grand Theft sur Switch. Bref, on ose, je pense, parce que personne ne sait ce que c'est que ce jeu et on se fait chier. Alors, on a la suite de Under Lilies. Oh, j'ai joué à ce jeu, je trouvais ça bien, mais il m'a déprimé de ouf. Ouais. Et du coup, je l'ai pas continué parce que j'avais pas envie de. Pas encore fait, mais Under Lilies m'a saucé de fou et ça fait partie de ma to-do list parmi les 600 jeux. Under Lilies, j'ai joué 2-3 heures. C'est sympa, mais c'est glauque et très triste. Ouais. Regarde le tombeau des Lucioles et on en parle. Non, c'est différent ça. Ce film m'y met en colère. Donc du coup, ils ont prévu la suite. Under Magnolia. Voilà, même concept. Dit, oui, j'espère que t'auras le moral sur Sonata quand il jouera parce que. Juste préciser, c'était pas un Nintendo Direct, mais un Nintendo Partenaire Showcase. Ouais, donc c'était pour pas. Aller avec le commentaire de Mass Marino. Mais c'est très beau si on donne. Mais je pense qu'on aura un Nintendo Direct d'ici mai puisque. Parce que voilà, il faut bien. T'as raison, Mass Marino, le tombeau du ciel, c'est de la merde. Du coup, Under Magnolia, bon, il y a eu des annonces sympas, mais j'avoue que ça fait un moment qu'on n'a pas eu un Nintendo Direct, c'était chiche. Par contre, l'annonce finale, bon là, du coup, on a un party game. Puzzle, celui-là, avait un concept marrant, mais faut avoir envie de jouer. Quoi. Ouais. Je pensais pas que Under Lilies allait marcher à ce point-là pour qu'ils en fassent une suite. Tu vois. Je suis content. Alors, par contre, la grosse annonce, la grosse annonce, c'est que du coup, ça apportait du coup ensuite la. Unicorn Overlord, qui est la sortie de ce mois-ci et qui, pour l'instant, est en train de faire péter les charts parce que c'est un jeu de Vanillaware et que, comme tous les jeux de Vanillaware, ça les boîte. Je suis saucé, je vais le prendre. Le truc, c'est que les collectors sont de plus en plus rares. J'ai pas réussi à en trouver une. Mais voilà, les jeux de Vanillaware, c'est une de mes passions et je pense qu'il est pas en reste et il a l'air assez ouf. Bah oui, si t'as fait... Tu connais ce style de graphisme? Si t'as fait Muramasa, si t'as fait... Dragon's Crown. Alors, ils ressortent du coup Monster Hunter Stories le 1 sur Switch. Pourquoi pas? Après tout, le 2 est cool. Alors, petite information supplémentaire que j'ai sur X. Donc, on n'aura pas de version physique en France.
Cependant, il va y avoir une version physique solitaire qui va sortir au Japon, et du coup, elle est localisée Japon. Par contre, il va y avoir une version pack Monster Hunter Stories 1+2 aux États-Unis qui est disponible en import. Voilà. Si c'est une série qui vous intéresse, moi, j'ai fait les deux. Et c'est des jeux très intéressants. Ils sont vraiment très sympas. Le 2 est très, très bien. Mickey ! Oui, de Twitter, Mass Marino. Ouais, Mickey qui fait un remake d'un de ses jeux sur Wii, qui était un de ses jeux les plus intéressants. Ah, j'ai cru pas passer ça. On voit pas le sorcier d'ailleurs. Ah, si. Si, si, tout à fait. Et si, c'est ça. C'est un jeu qui parle des. C'est un jeu qui parle des personnages oubliés de Disney. C'est un jeu très intéressant. Alors moi, je vous recommande de vous renseigner un peu sur ce jeu. Ou sinon, peut-être qu'un de ces quatre, je vous ferai une petite présentation de Epic Mickey. C'est de la plateforme. Parce qu'en... Ouais. Alors, c'est de la plateforme avec un système de brush où en fait, tu peux soit créer, soit défaire des environnements, ah ouais, ça a l'air du sympa, décor. Ouais. C'est un jeu très sympa, surtout pour son côté univers dark, par exemple, Dingo. C'est une tête dans un bocal. Okay. C'est un univers très sombre pour du Disney, et en fait il faut savoir que les dessins de à la base, je mets sur pause une seconde pour que je puisse suivre, les dessins, les concept art d'Epic Mickey étaient faits par un maître des dessins d'horreur qui sont terrifiants. On aurait dit American McGee Alice. On avait des personnages de Disney mélangés à des machines, des espèces d'hydres avec les têtes de Dingo, de son cousin et tout le bordel. Enfin, des personnages, mais terrifiants, qu'auraient fait un excès de... En gros, le principe, c'est que t'es censé parler des personnages oubliés de Disney, de l'ancienne vague Disney, donc Mickey, ses amis, Oswald, le lapin, qui est le méchant du jeu, et du coup, en faire une espèce de version complètement terrorisante de ces personnages qui ont été laissés pour compte dans l'imaginaire collectif. D'accord. Et alors, je pense que l'auteur qui a fait les dessins, les concept art, était conscient que ça allait que les dessins étaient trop hardcore, mais que s'il faisait un dessin moins hardcore, Disney l'aurait encore plus aseptisé. Alors il s'est dit, je vais mettre la dose et on va essayer d'avoir un truc le plus dark possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça a plus ou moins marché. C'est un jeu très intéressant d'un point de vue historique et d'un point de vue visuel. Si vous ne l'avez pas fait, foncez, je vous le recommande. C'est un jeu... c'est un jeu sympa sans plus. Mais il est sauvé par sa DA incroyable et par, du coup, le côté Disney dans un univers noir. Et c'est ça qui rend le jeu intéressant. C'est ma cam, ce genre de jeu de plateforme. La PS1, moi, c'est ça qui m'a forgé en tant que gamer. Tu vois. Si tu aimes ça, moi, ça reste un très bon jeu de la Wii qui est sous-côté. Je le recommande. Ça marche. Alors ensuite, donc Shin Megami Tensei 5 qui était sorti sur 3DS, qui sort à présent sur Switch. Donc bon, voilà. Si vous n'êtes pas très aficionados de la série des Shin Megami Tensei, c'est la série à l'origine des Persona, et c'est des jeux RPG japonais très à l'ancienne, on va dire. Avec un système un peu... En gros, il faut savoir que c'est la série Shin Megami Tensei qui a inspiré Pokémon. Donc en gros, c'est un système de capture de monstres. Vous êtes censé discuter avec eux, discuter, ça va bien, tu te sens bien, comment vont les amours? Et si tu discutes assez bien avec eux, ils vont rentrer dans ton équipe. Okay. Et globalement, la plupart des jeux finissent par aller affronter littéralement le diable. Voilà, donc Shin Megami Tensei 5, nouvelle version sous-titrée Vengeance, qui est une espèce de version plus de la version 3DS qui était sortie. Voilà. On a les deux Battlefront qui sortent. Moi, je ne vous les recommande pas. Les classiques. Ouais, alors moi, je ne vous les recommande pas tout simplement parce que c'est des jeux qui ont terriblement vieilli. Oh, Battlefront 2, mon gars, j'étais trop fan. Moi, je vais craquer, c'est sûr. Alors, non, moi, je te conseille autre chose. Il existe une version fan de Star Wars Battlefront 2 qui est disponible en modé sur PC. Je te retrouverai le nom si tu veux. Et en fait, c'est une version où ils ont mis. Ça sort sur Switch, ça. Non, mais ça ressort sur Switch. Ça ressort sur Switch. Mais du coup, la version sur PS5. C'est autre chose. La version de Battlefront 2 modée, en fait, elle comprend tous les personnages de tout l'univers étendu de Star Wars. Okay. Et il y a genre 250 maps jouables entièrement en ligne avec tous les sites, les personnages de la nouvelle trilogie. Ah, j'étais tellement fan de Battlefront 2, j'y ai passé tellement d'heures sur PS2, les Mode Conquête Galactique, la campagne était trop... Ouais, c'était trop sympa. Oh, j'y ai passé beaucoup d'heures avec mon frangin. Donc, le fameux jeu de coop... Ah oui, là, ça a l'air dégueu quand même. Tipo m'a demandé si j'allais le cover, j'ai dit non parce que c'est dégueulasse. Je peux. C'est moche. C'est tellement plus moche que les versions d'Ubisoft en 2D là. Et un jeu multijoueur South Park,
on osait. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'un jeu comme ça, c'est pas le terrain de jeu pour avoir les blagues potaches, l'humour à la con, tout le bordel, quoi. Ça équivalera jamais le fait que tu peux esquiver les couilles de ton père, quoi. Merde. Non, non, s'il te plaît, Stalas, me fais pas du mal. Arrête de parler Darksiders. Ah là là. Voilà, bon, alors moi je connais pas Sword Art Online, donc je peux pas te dire. Est-ce qu'il paraît qu'il y a des bons jeux? Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de jeux Sword Art Online, et il y a du bon et du mauvais, et je regarde pas les milliards d'animes. Je crois qu'il y en a quasiment autant que Gundam. Donc on va passer là-dessus. Ah bah tiens, Gundam. Voilà, bon, Gundam, c'est bien. Voilà. Ça, vous aimez Gundam, apparaît. Regardez Gundam. Ne dis pas Lisa Anne, surtout pas. Vous aimez les, gros, vous aimez les grosses machines, Gundam. Voilà. Monkey Ball qui est de retour. Trop bien. Je n'y attendais pas. C'est trop bien. C'est trop rigolo. C'est en super vrai, jeu de plateforme. En vrai, fallait s'y attendre parce que globalement, ils ont ressorti plusieurs. Un ou deux qui avaient sorti sur GameCube ou autre. Sur la Switch. Et du coup. Non, mais sur la Switch, il y en a un autre aussi. J'ai plus le nom, mais il y a un Super Monkey Ball. Ouais. Qui est très bien. Je l'ai pas fait encore. Quoi. Ouais, Banana Blitz. Et voilà, bon, ils ont fait des batailles en ligne à 16, ça se veut être un énorme bordel. Ouais. C'est des bons jeux qui sont trop peu connus aujourd'hui, comme Ape Escape, quoi. C'était de l'époque de Ape Escape. Des jeux très rigolos, Monkey Ball. Enfin, là. Ouais, n'hésite pas à avancer. Hein. Alors. Sorti de l'antre des enfers, World of Goo 2. Mais qu'est-ce que j'ai passé comme heure sur World of Goo ? Je peux même pas vous l'expliquer, j'ai dû le faire 4 ou 5 fois ce jeu. Alors, World of Goo, c'est un jeu qui était sorti sur PC, c'était dans la première vague des jeux indés, avec notamment Braid et l'ancêtre d'Inside, donc Limbo. C'est un vieux truc avec un style musical très marqué. Et en fait, le principe, c'est qu'on a ces petites créatures qui s'appellent les Goo, qui peuvent s'imbriquer les unes aux autres, et c'est un jeu de physique. Où en fait, il faut amener un maximum de goût à un tuyau d'évacuation. Et c'est un jeu de réflexion qui joue sur la physique. Et donc, à la base, il n'y avait que les goûts normaux et les goûts ballons. Et là, ils ont décidé de rajouter plein de types de goûts pour faire plein d'énigmes. Et c'est un jeu qui ressemble un peu à Lemmings, si vous voulez. Mais c'est incroyable, faites-nous ça sur la chaîne, les gars. Alors, vous connaissez pas World of Goo, sans déconner ? Non. Non, absolument pas. Non, moi j'ai découvert en matin. Et bah, je vous présenterai World of Goo parce que le 1, je l'ai poncé. Et c'est un jeu cultissime, World of Goo. Alors, ça, dédicace à Netis qui a décidé de nous bouder ce soir. Hein. Donc, je vais passer, tant pis, on va pas regarder. On m'emmerde. Non, je déconne parce que moi je kiffe. De toute façon, on a déjà eu 25 000. Fantasy Live. Ah, c'est Fantasy Live 2. La voleuse de temps. Non, c'est pas Animal Crossing. M'insulte pas, s'il te plaît. Moi, je déteste Animal Crossing. C'est Animal Crossing plus. Non. Non, si tu veux parler un peu là-dedans. Oh, ça a l'air copié d'Animal Crossing quand même, la vache. Non, c'est un Animal Crossing RPG, non. Si tu veux. En fait, c'est pas du tout le même principe. Alors oui, il y a un petit côté, vas-y, récolte des trucs, etc. Soit c'est un jeu très intéressant où t'as plein de métiers et en fait, il faut te balader sur la map, remplir des missions pour des PNJ. Un truc très classique, sauf que ce qui est très intéressant, c'est que chaque métier va avoir une utilité. Par exemple, tu vas commencer par être bûcheron et tu vas aller couper des arbres. Jusqu'ici, rien de choquant. Ensuite, tu vas devenir menuisier, fabriquer du bois, le vendre ou fabriquer des armes avec pour tes classes de guerriers où là, tu vas aller faire des aventures et affronter des monstres. Sauf qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque métier possède une trame narrative, possède son propre scénario et chaque métier possède des boss et des boss légendaires. Par exemple, dans le 1, il y a pour la classe de bûcheron un boss légendaire qui est un arbre. Et en fait, il y a un mini-jeu par classe. Par exemple, pour le bûcheron, en fait, il faut tourner autour de l'arbre et frapper le sweet spot de l'arbre. Sauf que du coup, pour l'arbre légendaire, le sweet spot bouge et l'arbre, ensuite, il peut se retourner, il peut t'infliger des dégâts. En plus de ça, tu as un système de stamina qu'il faut bien gérer, donc il faut être assez évolué. Il faut frapper le sweet spot pour l'infliger un maximum de dégâts, les couper. Et à la fin, quand tu as gagné, bah, tu récupères plein de matériaux spéciaux, des matériaux uniques. Et ce qui est super rigolo, parce que du coup, tu augmentes de grade et à la fin, tu rencontres littéralement Dieu qui te dit maintenant, ton objectif final, c'est de devenir Dieu. Et donc, de remplir toutes les quêtes de toutes les classes, d'aller affronter tous les boss cachés et tout. Et c'est un jeu qui prend beaucoup de temps. Et encore une fois, c'est un jeu de level 5. Ah, moi petit jeu. Fantasy Live 2, trop bien. On n'en a rien à foutre. Inazuma Eleven arrive le mois prochain. Ouais, et Layton, bientôt. On s'en bat les couilles de Layton. Inazuma Eleven, les gars. Je t'emmerde. J'ai pas vu mes messages de tout à l'heure, mais ouais, bonne nuit. Bonne nuit, Masmarino. Alors ça, c'est pour Kestis. Ah, le Dark Souls avec le crabe. Kestis, nous, le couvreur.
Kestis, tu nous le covers, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est un sous-like avec un crabe. C'est un sous-like avec un crabe. Mais ce qui est rigolo, ouais. Est-ce que je vais passer 3 heures sur chaque boss, est-ce que c'est ça le truc? Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une écrevisse qui se bat au katana avec des baguettes chinoises. J'ai rien que ça. Ça n'a pas l'air moche. C'est pas moche, c'est très joli. Il y a une démo qui est dispo, si tu veux. Ouais. Bon, on va attendre le jeu complet, vous me tiendrez au courant. Fais-nous une preview de la démo, ça peut être marrant. Les sous-like, il faut... Quand tu fais un sous-like, il faut le faire d'un bout à l'autre comme ça, comme ouais, les autres. Mas Marino, tu te chauffes un peu, bosser, après quoi, tu te chauffes encore plus jusqu'à maîtriser le jeu. Mais si tu fais une coupure, c'est compliqué. Next, puis j'aurais fait une coupure. On avance. Donc, alors, par les créateurs de Sonic Mania, un jeu que j'attendais beaucoup et il faut que je le fasse, il faut que je le prenne. C'est une exclu Switch en plus. Penny's Big Breakaway. À ce qui paraît, ça défonce. Voilà, donc c'est un jeu de plateforme et personne n'en parle. Pas trop mal, ce genre de truc. Bah, moi, l'ADA me plaît pas du tout. Ouais, alors le souci que j'ai eu aussi, c'est que l'ADA et le personnage me plaisent pas du tout, mais le jeu a l'air ouf. Donc, je pense que je vais essayer de passer mes a priori. J'ai pas encore regardé combien ça coûte et je suis en train de finir plein de gros jeux là en ce moment. Mais une fois que j'aurai un peu de place dans mon emploi du temps, je pense que je vais le faire et que je vais peut-être le liver, ce serait cool. Le jeu a l'air vraiment cool. Donc, voilà. Tu fais un emploi du temps pour tes jeux, Sonata? Ouais, il faut que je gère mon emploi du temps pour mes jeux. Non, mais tu fais un emploi du temps où tu notes les jeux que tu fais. Non, je note ça juste sur ma liste Steam. Alors, ça, c'est un jeu de Devolver. Ouais, Devolver, ça. Pepper Grinder. Ça a l'air complètement dingue. Ah, ça fait penser, on n'a pas de nouvelles. Alors, ça, c'est un jeu 3DS. De la 2D, de la 3D, je sais pas comment ça s'appelle. Là. C'est un jeu 3DS de Game Freaks. Donc, les créateurs de Pokémon, il faut savoir qu'ils ont une série de jeux qui consiste à faire des paris sur des chevaux. Avec un système de jeu de cartes. Ça a l'air trop bizarre. C'est trop bizarre. Game Freaks, il faut savoir que si... Intéressez-vous à l'histoire de Game Freaks en dehors de Pokémon, vous verrez qu'ils font que des trucs chelous. Ça a l'air trop bizarre et ça a pas l'air. Non, je vais pas dire que ça a pas l'air bien, mais c'est pas moi qui. Ça a pas l'air ouf. La plupart des jeux de Game Freaks sont pas incroyables en fait. Ils ont les droits de Pokémon et c'est ce qui leur sauve le cul. Leurs jeux sont globalement claqués au sol. Bah, même les jeux Pokémon, pardon. Touché. Alors ensuite, ça se termine sur Contra 5 qui vient de sortir. Joseph, un peu Contra. Ce jeu-là, Moomerick, qui avait l'air intéressant visuellement, je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois qu'il est sorti récemment. Ça, on n'en a même pas entendu parler, ça pourrait être intéressant, mais ça a l'air un jeu Metroidvania générique. Il y a un party game Kimetsu no Yaiba, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, what the fuck. Mais ils produisent tout et n'importe quoi, faut arrêter les gens. Ouais, faut arrêter. Ouais, c'est ça. Bon, Kingdom Come sur Attends, Switch, pourquoi pas, pourquoi pas. Pareil, j'ai pas le temps de jouer à ça. Donc, Contra 5. Mais bon, j'ai jamais aimé Contra. Ensuite, si vous aimez Contra, cool. Hein. Skip, il est bien. Streamer professionnel à plein temps pour faire tous ces jeux. Ouais, faut avoir du temps. Je vais peut-être changer de métier. Après, est-ce que tu as envie de faire tous ces jeux? Oh, bah, si je suis payé pour, oui. Moi, ça me dérangerait pas. Ah oui, ça se termine sur l'annonce. Alors, ça se termine sur l'annonce la plus pétée du monde. Des jeux de Rare. Ça montrait le logo de Rare. Pour dire que du coup, ils vont mettre sur la console virtuelle des jeux de Rare. Sauf qu'ils mettent que des jeux d'arcade et de Super NES. Donc, on n'a pas Banjo-Kazooie, puisque c'est Microsoft qui a les droits. On n'a pas Conker Bad Fur Day, parce qu'au bout d'un moment, Conker Bad Fur Day, il regardait Nintendo, il faisait ça. Il y a rien d'intéressant, c'est terrible. Ils ont ça parmi les jeux Devolver. Alors à part un peu Battletoads, ça c'est l'équipe B du jeu vidéo. Genre Rare a produit certains des meilleurs jeux de toute l'histoire des jeux vidéo, GoldenEye, Perfect Dark qui moi je trouvais au-dessus de GoldenEye, Donkey Kong 64, les Banjo et Kazooie. Ils ont fait Banjo Nuts and Bolts, personne l'aime alors que moi je l'adorais, j'ai pas compris. Ils ont fait putain de Conker, on a Jet Force Gemini et là ils nous sortent l'équipe B. Tu sens que Nintendo ils sont en mode regardez, on a sorti des jeux de Rare, on est sympa, on a plus les droits des autres parce que on les a un peu envoyés se faire foutre et du coup on est niqué parce qu'ils sont chez Microsoft. Mais bon, voilà, c'était un peu misérable, hein, franchement. Ouais.
Et ça se termine sur une bande-annonce de Endless Ocean, qui a l'air d'être une espèce de... Comment il s'appelle le jeu de plongée, là ? Abzu. Abzu. Ouais, de suite d'Abzu, ouais. Et alors ça, pour c'est annonce finale, les deux annonces finales, c'était le truc de Rare et ça. Après, ensuite, quand tu vois le contenu du Partner Showcase, pour moi, c'est le meilleur à présenter. Bah, en fait, non. Ouais, moi, ça paraît reposant, mais c'est pas du tout le même pas de graphique. Je t'aurais mis Under Magnolia, tu vois. Parce qu'Under Magnolia, au moins, ça monte. Under Lily, c'était, ça a été apprécié. On s'y attendait pas. Oui, oui, oui. En plus, c'est un truc beaucoup multijoueur là-dessus. Ou Penis Big Breakaway, tu vois. Penis Big Breakaway, au moins, c'est les mecs de chez. Parce qu'on peut pas aimer la D1, mais ça reste les mecs de chez Sonic Mania, et c'est des gens qui savent faire des jeux vidéo. T'as raison. Tu vois, j'ai pas compris. Tout ça pour dire, ouais, aller faire de la plongée. Alors moi, les jeux de plongée, c'est pas les jeux de plongée qu'Abzu. C'est voilà, c'est super. Allez voir un gros requin, prenez des photos des poissons clowns et puis voilà. Wouh. Ouais, non, ça. Wouh. Ouais. Vous savez quoi? Je vais vous donner une news plus marrante que ça où on sera moins chier. Ils vont sortir une mise à jour pour le dernier Flight Simulator où on peut jouer un ornithoptère sur Arrakis. Incroyable. Voilà, vous pouvez jouer à Dune dans Flight Simulator. Dans Flight Simulator. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas alors, une information quand même. Alors après, je sais pas Flight Simulator parce qu'il y a Flight Simulator 2025 qui va sortir. Mais oui. Sur cette annonce un peu claquée au sol, ouais, on vous propose. Continuons sur les annonces claquées au sol. C'est-à-dire les Pokémon présentes. Bon, les annonces encore plus claquées au sol. Allez, regardons des trucs claqués au sol. Alors pour une fois, j'avais pas fait le programme. Mais j'aurais dû faire le programme, puisque c'est une demi-heure de... c'est 12 minutes. Ça m'a paru long. Ouais. Alors, on va passer très vite. Alors, ouais. Tout ça... Alors voilà, c'est parfait. Ouais, c'est donc, que ça existait, je me ça, suis arrêté à Pokémon Unite, là, tout ce qu'on vient de passer, les 4 minutes 57, et du c'est coup, les jeux mobiles. À peu près jusqu'à 6 minutes, c'est les jeux mobiles. On s'en bat les couilles. Voilà, ils ont juste annoncé les nouveaux Pokémon sur les jeux mobiles. Si vous jouez aux jeux mobiles, tant mieux pour vous. Pokémon Unite, ils ont annoncé un nouveau Pokémon. Moi, j'y joue, je trouve ça cool, mais honnêtement... Surtout qu'en vrai, si vous jouez aux jeux mobiles, vous êtes au courant déjà de ce qui sort, en fait. Exactement, parce qu'en fait, ça m'a tué. C'est pas comme s'ils avaient annoncé un nouveau jeu mobile. Ouais, parce que c'était pour annoncer Myreddon dans Pokémon Unite. Le truc, c'est qu'en jouant à Pokémon Unite, Myreddon, ça fait un mois et demi qu'ils nous l'annonce. Donc, bon... Et Karmadura aussi, hein, donc au bout d'un moment, bref. Voilà, donc, ils Pokémon ont pas Unite, annoncé le jeu de cartes. Ah oui, voilà, le jeu de cartes mobile. Ah oui, si le jeu de cartes. Alors là, moi, j'aimerais bien votre avis parce que moi, j'ai pas compris. Donc, il y a un jeu de cartes mobile qui existe déjà, qui est le Pokémon TCG officiel. Ah ouais. Quand on achète un booster de cartes, on a un QR code qui permet d'obtenir des cartes dans le TCG. Ou quand vous achetez un deck, vous pouvez récupérer le deck dans le jeu. Et là, du coup, ils ont fait un truc en mise en scène où voilà, vous ouvrez votre machin et puis vous avez votre petit booster. Ça vaudra jamais Yu-Gi-Oh. C'est pas vrai, je préfère largement jouer à Pokémon qu'à Yu-Gi-Oh. Le jeu de cartes Pokémon, je trouve moins bien que le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Bah, moi je m'y suis remis récemment là, pour jouer avec une pote et j'ai beaucoup apprécié. Le système d'énergie me saoule grave. Bah, en fait, c'est un jeu de recherche de cartes. Et quand je joue à Magic, c'est mon style de jeu, la recherche de mana. Donc, du coup, ça me parle. De toute façon, Yu-Gi-Oh! C'est un sous Magic. Et si vous voulez jouer un jeu pour adultes, En vrai, c'est un jeu de collection de cartes, sans payer, enfin, j'imagine avec des microtransactions, mais sûrement avec de la pub. Il va y avoir microtransactions à faire. Il y a les combats aussi, mais du coup, c'est quoi, ça remplace le TCG? Et le truc, c'est qu'ils annoncent pas ça, voilà, une nouvelle expérience. Ils disent pas que ça remplace le TCG, je comprends pas. Ou sinon, c'est qu'ils font, comme le dit Tipo, ils font un jeu de cartes 100% dématérialisé. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, c'est pas ma cam, mais pourquoi pas? Parce que j'ai joué Hearthstone comme tout le monde et tout, mais en fait, moi, je trouve ça chiant. Bon, bref, on passe parce que tout ce qu'ils disent, c'est voilà. Donc, ils ont fait des cartes en VR, c'est ça, en VR, tout le bordel. Bon, ensuite, ça parle du TCG Pokémon, de la qualité du papier, etc. Pokémon Pocket. Ce que je comprends pas, c'est que du coup, ça va faire double avec le TCG, donc je n'ai pas trop compris. Ensuite. Le fameux jeu. C'est surtout c'est des cartes immersives. Ouais. Tu les regardes une fois et après Tosef. La seule annonce du Pokémon Present. Ouais. Si. Annonce. Si. C'est une annonce.
Ouais, si, c'est une annonce, t'as raison, c'est une annonce. Ouais, une annonce, au bout d'un moment, faut pas... T'as raison, c'est une annonce. Non, t'as raison. Yeah. Moi, perso, on a rien, mais c'est une annonce. Non, mais on a rien. Mais c'est un teaser. Ouais, non, mais je suis chaussé quand même. C'est une annonce, je suis d'accord. Legend Arceus, ça a été le meilleur Pokémon de nouvelle génération. Épée et bouclier, c'est de la merde. Le remake de Pokémon Jaune, enfin de Pokémon 1 encore, c'est de la merde. Pokémon Écarlate Violet, c'est de la merde. Pokémon Jaune, je suis pas d'accord. C'est juste que j'aurais préféré qu'ils mettent pas du Pokémon Go dedans. Tu vois. Enfin, c'est Pokémon Pikachu et Evoli, là. Bah, c'est que c'est. Alors, c'est vrai que c'est pas nul, c'est pas de la merde, mais. Ouais, mais j'ai pris plus de. Mais c'est service minimum, quoi. Oui, bah, Pokémon Legend Arceus aussi. Non, je suis pas d'accord. Si. Ils ont tenté un truc. Au bout d'un moment, il faut admettre. Alors, je suis pas un Pokémon fanat, je vais pas tout défendre. Les graphismes sont pas incroyables. Désolé. Dans tous les jeux Pokémon, ils tentent des trucs, mais ils vont jamais au bout. Et c'est la même chose pour Legend Arceus. Ils vont pas au bout de leur truc. Je sais pas de quoi ça va parler, c'est Legend Pokémon Zelda. Là, mais... Et bah, du coup, ils avaient annoncé que Pokémon Legend Arceus, ils avaient sous-titré Legend, c'est parce qu'ils voulaient faire une espèce de sous-série où en gros, ils traiteraient de moments importants de l'histoire de Pokémon pour grossir le lore de Pokémon. Et en gros, le principe, ce serait de reprendre une génération de Pokémon. Donc là, c'est X et Y, qui est quand même une des générations les plus appréciées pour la simple et bonne raison, je me permets de terminer la bande-annonce, c'est que il va y avoir le retour des méga-évolutions. Et les méga-évolutions, c'est un truc qui a disparu, ce qui est stupide et qui était apprécié de tout le monde. Voilà. Ouais, parce que en fait, le truc, ça a été apprécié, puis après, ils ont voulu faire « Ah, les méga-évolutions, c'était bien, mais bon, c'est chiant à gérer, donc on va faire d'autres trucs comme pas les méga-évolutions, mais on va faire de nouveaux trucs. » Ils ont fait les Gigamax, et les Gigamax, c'était de la merde, parce que visuellement, c'est dégueulasse, et Pikachu, il est chonk, on s'en bat les couilles. Ensuite, ils ont fait les Terra Crystal. Alors, le Terra Crystal, d'un point de vue gameplay, c'est intéressant, mais graphiquement, c'est dégueulasse. Donc, voilà, le truc, c'est qu'ils avaient une bonne idée, la méga-évolution, et ils s'y sont pas tenus. Et en fait, c'est ce que j'appelle le syndrome de Pokémon blanc et noir. Alors, vous pourrez donner ça à plein de Pokémon, mais moi, j'ai décidé de mettre ça à blanc et noir parce que c'est le jeu qui m'a le plus choqué. Blanc et noir, je l'ai fait sur émulateur. Et je l'ai fait au pif, alors que blanc et noir, ça faisait un an et demi qu'il était déjà sorti. Et je l'ai fait un peu parce que j'étais en mode, tiens, je me rejouerais bien un Pokémon, et puis je vais faire un Pokémon que je n'ai pas fait. Et blanc et noir, j'ai surkiffé ma life. Blanc et noir, c'est pour moi le Pokémon ultime qui devrait être blanc 2 et noir 2, d'ailleurs plus, parce que c'est une version évoluée. C'est le Pokémon dans lequel ils se sont dit... Trop bien. Le truc, c'est qu'ils se sont dit, venez les gars, on prend les meilleures idées de tous nos Pokémon et on les fout toutes dedans. Les combats à 3, les combats roulement, les combats à 2. Il y a des combats sauvages dans lesquels on peut faire des combats duo. Parce que le truc qui est sympa dans les combats duo, c'est que c'est sympa les combats duo. C'est vrai qu'il y avait ça, putain, c'était incroyable. Oui, il y avait les herbes profondes qui permettaient de faire des combats duo. Ensuite, on avait le fait qu'on n'avait que des Pokémon de nouvelle génération. T'avais pas tout ça dans X et Y aussi ? Pas du tout. Non. Non ? Pas du tout. T'avais juste une maison de dresseur. Le truc, c'est que... Noir 2, oui, je l'ai trouvé excellent, putain. Moi, je suis un joueur complètement casu de Pokémon. Les combats en post-game, ça m'emmerde. L'arbre au combat, ça m'emmerde. Moi, je suis là pour aller capturer des Pokémon et me balader dans le monde. Et en fait, j'aime bien affronter des PNJ et leur rouler dessus, juste en passant comme ça, parce que c'est marrant. Et Blanc 2 et Noir 2, et Blanc et Noir, c'est les seuls Pokémon qui m'ont parlé. Parce que je me suis dit, regardez, en fait, vous allez refaire le jeu, et en plus, il y a plein de Pokémon de l'ancienne génération dedans. Et là, tu te rebalades, et tu tombes sur un Roukoul, et puis ensuite, tu tombes sur un Gouboul. C'est ça qui m'a fait kiffer, moi. Je me rappelle du début de l'aventure, tu sais, où tu tombais sur des Watt, tu faisais, oh, putain, incroyable, tu vois. Et c'était enfin un jeu qui se disait, voilà, tu veux de l'aventure, mais tu veux de l'aventure un peu plus difficile. Au niveau du scénar, tu affrontes le Conseil des 4, ils sont niveau 40, ils ont deux Pokémon. Moi, j'ai affronté le Conseil des 4, j'ai vu, ils avaient entre 3 et 4 Pokémon. Je sais quoi, ce Conseil des 4 tout pourri. Tu termines le jeu, le Conseil des 4 est interrompu par le scénarium, et puis ensuite, du coup, tu as les crédits, puis tu recommences ta partie, tu fais, mais en fait, le Conseil des 4, je l'ai pas battu, je suis pas maître de la ligue. Bon, bah, il y a un endgame, je vais aller affronter le Conseil des 4. Allez, bim, 6 Pokémon de niveau 85. Je me suis fait doser le cul. Et du coup, je me disais, putain, enfin un Pokémon qui a compris la moitié du jeu. C'est l'aventure. Et l'autre moitié, c'est va capturer tes Pokémon. Et comme le dit Tipo, ils ont une bonne idée. Et putain de merde, ils s'en tiennent pas, quoi. Ils ont été au bout. Après, ils ont faire d'autres trucs. Sur cette génération-là, mais comme argent. Pourquoi la version préférée, la meilleure de toutes, c'est Pokémon Argent,
or et cristal. Putain, dans argent, or et cristal, il y a deux régions. Il y a deux générations complètes de Pokémon capturables. Et c'est pour ça que moi, maintenant, ma version de Pokémon préférée, c'est une version hackée de cristal sur laquelle, en fait, on a tous les Pokémon capturables sur une seule cartouche. Parce qu'il y a les deux premières générations de Pokémon, que le jeu était abouti et qu'on n'a pas besoin de plus, quoi. Ben, c'est ça. Je suis assez d'accord. Oui, si. Et parce que, quelle que soit la version, affronter Red, c'est la classe. Exactement. Donc, enfin, voilà, du coup, Pokémon... J'ai bon espoir, parce que Legends Arceus, c'était un jeu plein de bonnes idées, et j'espère que ce sera une version plus aboutie d'Arceus. J'espère surtout que ça reprendra les mécaniques de Legends. On avait espoir en regardant épée et bouclier, en se disant ils vont peut-être réussir à prendre ce qu'ils ont mal fait d'épée et bouclier pour faire Carlotte et Violette. Bam ouais. Pire. Le monde ouvert, c'est trop à gérer pour eux. Le jeu cloisonné, comme dans Arceus. C'est un monde ouvert, là. Hein. Bon, ouais, je pense qu'on va passer à autre chose, mais ouais, bon, bah écoutez, j'ai envie de dire à voir. On verra les premières images. De toute façon, c'est simple. Le truc, c'est que ça va être un monde ouvert avec beaucoup de bâtiments. Quand on voit comment ils gèrent les bâtiments et quand on voit que le moulin dans le trailer de Pokémon Écarlate, il ramait, j'ai peur. C'est pas complètement fou. Pareil. Bon, sur ce, je laisse Typo gérer la suite. Jouer à Noir 2 et Blanc 2, voilà. Voilà, joue à Noir de Blanc 2. Sur ce, Typo, vas-y, fais ton truc dont personne n'a rien à secouer. Alors non, faut pas dire ça. Quand même. Donc ouais, la F1 Academy, je vais vous proposer une petite vidéo. Les gars, si vous voulez la voir, il faudra passer sur la partie stream. Tac, tac, tac. Et si je veux pas la voir. Et bah, si tu veux pas la voir, tu ne la regardes pas. Y a cool pas hop, c'est ici. Non, c'est ça que je voulais vous mettre. Ok, je vous lance cette petite vidéo de présentation un petit peu. Bon, ça fait un peu pub, hein, forcément. Ouais, enfin, moi, j'aurais remplacé le B par un T, hein, mais parce que je sais pas ce que tu nous balances là, mais ça a l'air bizarre. Hein ? Je sais pas comment on va commencer ta vidéo, mais l'image qui est là en arrêt, elle est chelou. Pourquoi je peux pas interagir avec la bonne source ? C'est quoi ce bordel ? What? J'imagine bien, je mettrais bien un petit sous-titre sur cette caption là qui est bloquée. Un truc du genre non, qu'est-ce que t'es en train de faire, mon cher beau-frère? The thrill. When you find that one thing that makes you come alive. Alors, désolé, mais là, du coup, les formations professionnelles, la dame est en plus. Formula 1, we know this feeling. Because it's the start of the journey. Grand Prix, it's lights out, and Formula 1 is go. A journey that tests your endurance, your strength. Typo, je pense à toi à chaque fois que je vois le même. True battle of the mind and body. Because to be extraordinary, it takes determination and grit. It takes everything she already has. So for us at the F1 Academy, it's really very simple. When the odds are against her, we are here to make them even. Yes. Because we know what she is capable of. Because she is extraordinary. Donc voilà. Je ne vais pas vous laisser longtemps. Forcément, vous voyez un petit peu le côté pub, etc. Mais c'est quand même, ça explique, ça vous met un peu dans le bain. Globalement, ça parle de la F1. Je vais vous parler un tout petit peu de la F1 Academy et surtout d'une pilote. Mais je vais recadrer un petit peu. La F1 Academy, c'est quelque chose qui a été créé en 2023, donc l'année dernière. Notamment qui est dirigé par la femme de Toto Wolff, Suzy Wolff. Par Suzy Wolff. Qui est nommée directrice générale, et globalement, c'est le championnat pour promouvoir les femmes dans la course automobile, et notamment dans la F1, parce que globalement, rien n'interdit actuellement les femmes de faire de la F3, de la F2, etc., mais globalement, c'est quand même un peu compliqué d'en avoir. Du coup, ils se sont dit que plutôt que d'attendre, promouvoir un championnat où les femmes vont pouvoir être mises en avant, sera plus efficace, et on verra d'ici quelques années si c'est efficace ou pas. Mais du coup, voilà, c'était ça l'idée. Elles font quelques courses en même temps que la F1,
Globalement, vous n'êtes pas des fans de la F1, donc vous n'êtes peut-être pas au courant, mais quand un week-end F1, il n'y a pas que de la F1 qui tourne. Il y a souvent de la Porsche, souvent de la F2, de la F3 et des fois de la F1 Academy. Du coup, en effet, je ne suis pas du tout un gros fan de F1 comme toi. Par contre, j'aime bien regarder la F1 avec mon père. Et on est allé voir de la F1 de temps en temps ensemble. C'est un événement suffisamment important pour que j'en ai entendu parler. Alors que je ne me renseigne pas spécialement pour le sujet. Ah ouais ? Et moi, j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de cette initiative de mettre la femme en avant sur la F1. Et je trouve que c'était vraiment pas mal. Surtout qu'en plus, au dernier tournoi de F1 que je suis allé voir, qui était, comment ça s'appelle, au Châtelet, Castellet, merci, au Castellet, qui était super cool. C'était vraiment un endroit super sympa. Puis les cocktails étaient gratuits. J'étais en VIP. Et donc, le moment le plus intéressant que j'ai vu, c'était l'avant-dernier jour de l'événement. Et le moment le plus intéressant que j'ai vu, c'était une course de F2 féminine. Et c'était des brutes. Elles tentaient des moves de fou. Elles faisaient des trucs. C'était des accidents de la route. Et ça passait avec les roues qui devaient passer les unes des autres un millimètre. C'était incroyable à voir. Donc, franchement, je pense que cet événement, même moi, je vais le suivre parce que ça a l'air vraiment super. Je suis la première course de cette année, en tout cas. C'est quand mais... La première course, c'était le week-end dernier. La suivante, c'est... J'ai regardé la rediff, je pense. La suivante, c'est à Miami, donc c'est au mois de mai. D'accord. Ouais, elles n'ont pas beaucoup de rondes, elles en ont 7. Mais bon, quand même, je voulais en parler parce que une des petites françaises, elles ont globalement entre 18 et 20 ans. Une des petites françaises qui s'appelle Dorian. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Ouais, c'est peur. Non, mais c'est j'imagine trop la prochaine vidéo de typo. Toutes les jeunes femmes filmées dans cette vidéo ont au moins 18 ans. ne nous attaquez pas en justice, pitié. Bref, globalement, Dorian Punk, qui court sous les couleurs Mercedes, il y a deux courses en F1 Academy et tu fais une qualif. Le premier tour chrono compte pour la première course, pour l'ordre de la première course, et ton deuxième tour chrono compte pour la deuxième course. Elle a mis tout le monde au taquet. Elle était première pour les deux, avec beaucoup d'avance, je crois plus de 5 dixièmes, un truc comme ça. Elle a gagné les deux courses. Malheureusement, une des courses, elle a eu une pénalité, du coup, elle est plus première, parce qu'elle a passé deux fois la grille par erreur. On est parlé de ça. Tristesse. Mais enfin, voilà, une petite jeune qui promet. Elle n'ira peut-être pas en F1 l'année prochaine, parce que quand même, ils sont sur des F4. Donc, dans le niveau, tu as F1, F2, F3, F4. Mais ça peut promettre des femmes à l'avenir en Formule 1, j'y crois beaucoup. Et en plus, s'il y a des Françaises, ben quoi de mieux ? Je suis très patriotique dans ce genre de truc, même si... En vrai, moi, je l'espère parce que on a quand même des tournois de F1 qui sont menés quand même en tête par les mêmes personnes, mais j'ai envie de dire comme dans tous les sports. Hein. Et je pense que ce genre d'initiative, surtout que c'est pas un sport qui limite, on va dire, les gens par leur capacité physique et où on va dire les hommes sont avantagés par rapport aux femmes ou pas dans la même catégorie, etc. Là, c'est pas trop justifiable. Du coup, c'est surtout que ça permettra peut-être de mélanger les genres et de faire une espèce de nouveau pool de compétences et de choses qui peuvent... C'est un sport très masculin blanc. Il y a Hamilton. Véridique. Mais il y a qu'Hamilton. De Black. On va pas se mentir. C'est pas faux. Et d'ailleurs, il soutient pas mal le projet aussi. Mais oui. C'est cool. Oui, parce que globalement, la directrice générale s'appelle Suzy Wolf. Suzy Wolf, c'est la femme de Toto Wolf, qui est le directeur général de Mercedes F1 Team. Qui doit être milliardaire d'ailleurs, parce que voilà. Et du coup, ça peut permettre pas mal de choses. Enfin voilà, du coup, je voulais en parler parce que très bonne initiative et ça fait du bien de voir des choses qui bougent. Et de ne pas juste se dire ça peut arriver, donc avant d'arriver, non, faire un truc pour les mettre en valeur. Et puis après, c'est à elle de briller, et je suis sûr que les écuries, de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, n'ont rien à avoir à faire. À la limite, même une femme, ça leur fera plus de pubs et
etc. Donc je pense que les écuries, ça les gênera pas de prendre des femmes. Stalas, c'est raciste. Hamilton, t'as raison. Je sais pas s'il est noir, il est peut-être métisse. Ouais, il est un peu métisse, hein. Il est pas. T'as raison. Je sais plus comment. Mais oui, t'as raison. Honnêtement, c'est pas important. C'est juste une très bonne initiative. Voilà. Et j'espère que ça va permettre de faire bouger un peu l'industrie. Quoi, c'est cool. C'est une bonne idée. Je suis d'accord. C'est vrai que je suis pas à la F1. Pour le coup, j'en avais pas entendu parler. Mais merci d'avoir partagé. Et vous regarderez. Il y a l'autre française qui s'appelle Loval Lovinfos, court sous les couleurs de Charlotte Tilbury. Et vous regarderez sa monoplace. Elle est pleine de lèvres avec un rouge à lèvres. C'est très très drôle à voir. Elle est trop belle la monoplace, okay. Mais c'est très drôle. Voilà, c'est tout pour les actualités du coup. Impec. Nos avis. Yes. Alors. Nos avis. Est-ce qu'on peut remettre les vidéos ou pas? Ouais, tu veux mettre quelle vidéo? Bon, on va commencer par le film du mois. Oui, le film qu'on a tous vu, entre guillemets. Okay. Je vous laisse en parler ou vous voulez mettre le trailer On va mettre le trailer en même temps pendant qu'on en parle. Par contre, on va peut-être mettre le son pas trop fort. Allez-y, du coup, alors. Ouais. Hop. Bon, d'une, deux. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Sonata? Vas-y, je t'en prie. Ah. C'est toi qui mène. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Ça marche. Moi, je l'ai vu quand je l'ai vu samedi dernier. Donc je m'étais rematé le 1 le dimanche du week-end juste avant, en fait, car je l'avais un peu oublié parce que je l'avais vu au cinéma. Donc c'est la deuxième fois que je le voyais. Donc ça m'a fait une petite piqûre de rappel. Moi, je l'ai vu avant au cinéma. Exact, t'as enchaîné les deux. Enfin, j'avais pas oublié, mais j'avais les grandes lignes, mais il fallait que je remette un peu les détails, quoi. Ah bah moi, j'avais clairement décidé de pas le re-regarder tant qu'il y aura pas le 2. Et le 2, je pense que ce sera pareil. Ok. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai trouvé ça très bien, ouais. C'est quand même science-fiction du moment. Qui a été ramené au goût du jour après la version des années 80 que je n'ai pas vue, il faudrait que je regarde un jour quand même. Non. Et puis apparemment, on dit qu'elle est très nulle. Alors tu vas te calmer tout de suite. Ouais. Oui, il faut qu'il la regarde. Ah ouais? Oui. D'accord. C'est un film légendaire, ça déboîte, c'est trop bien. Si vous l'aimez pas, vous êtes dans le tort. Voilà. Enfin bref, du coup. C'est parce que disent la plupart des gens, mais ok. Eh bien, la plupart des gens ont tort. la plupart des gens aiment Call of Duty. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? il est pas costaud, mon argumentaire. Bref, du coup, saga, oui, ramené au goût du jour, plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Là, j'allais dire défaut, mais c'est pas un défaut, c'est un choix de Villeneuve, je pense. C'est que très mystérieux dans la façon dont c'est réalisé. Certains éléments sont introduits, ça, tu sens que c'est très riche, c'est très dense, il y a beaucoup de détails. Alors en fait, pour compléter, c'est plutôt que le film a deux vitesses. Pas séparées, mais il y a des trucs qui vont assez vite dans l'explication ou autre, et du coup, ils te donnent pas beaucoup de choses. Ça, je suis d'accord. Ouais. Et il y a des choses où ça prend beaucoup de temps pour te laisser contempler, etc. Où tu n'as peut-être pas forcément besoin, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir. Et du coup, il y a des moments où ça manque un peu d'explication. Le film est très visuel. Vous pouvez me dire sur le visuel en fait. Pourquoi on a autant de temps sur la vidéo? Qu'est-ce qu'on avait? Je sais pas, en fait, il y a des moments où il y a des explications. Déjà, on oublie toute la partie où il s'intègre au Fremen. Il n'y a pas vraiment trop de trucs là-dessus. Ça faisait un peu, je trouvais ça un peu rapide. La partie aussi sur le quand il boit l'eau aussi bleue, c'est 5 minutes top chrono, j'ai l'impression, alors que j'ai l'impression que. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Mais enfin, pour finir sur mon avis, du coup, ouais, je trouve ça quand même plutôt cool, très bien réalisé. C'est de la science-fiction, mais il n'y a pas tant de scènes, on va dire, de science-fiction en tant que telle en général, dire, dans l'espace, tout ça, ça reste assez terre à terre, quoi. Ouais, assez politique.
Ouais, voilà. Et du coup, oui, je n'avais pas lu les bouquins. Je demandais à un collègue qui, lui, avait lu les bouquins et avait été le voir aussi. Du coup, voilà, les deux films finissent le premier bouquin. En fait, les deux films, là, c'est le livre Dune. Et le suivant, du coup, qui sortira, sera le bouquin, du coup, qui s'appelle Le Messie de Dune. L'Empereur Dieu de Dune, il s'appelle. Non, c'est le Messie de Dune, moi, il m'a dit. Le deuxième, c'est l'Empereur Dieu de Dune. Bah, lui, il m'a dit c'est le Messie de Dune. C'est le fils de Paul Atreides. Bah, justement, dans Le Messie de Dune, Paul est encore vivant. Enfin, il est encore ouais, là. Dans L'Empereur Dieu de Dune aussi, mais il faut d'abord qu'il donne naissance à son fils. Voilà. On va mettre bon, on le point bien, sur quelqu'un moi, je dis qui est présent ce soir et qui a lu les livres. Donc, ce film est foutrement fidèle. Il est vraiment bien. J'avais bien aimé le premier, même si le premier était un peu sage. J'ai surtout été étonné, c'est qu'ils ont donné plein de corps aux détails de l'univers, notamment la récupération de l'eau de Jamis, le côté vraiment très spirituel. Alors oui, il passe un peu vite sur l'intégration de Paul Atreides, mais il faut savoir que pour le coup, c'est excessivement fidèle au livre. Parce qu'en fait, l'intégration de Paul Atreides au Fremen est très, très rapidement traitée dans les livres. Ouais, c'est traité par Ellipse. Peut-être que je me les remette, mais je n'ai pas trop compris pourquoi ils avaient si confiance en lui dès le début, en fait, en sa mère. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que dans le livre, Paul est quasi directement pris comme un messie et tout le monde le croit. Alors que là, il y a une séparation entre les gens qui vont croire que c'est des connaissances de vieux et ceux qui sont persuadés qu'il est le Lisan al-Gaïb. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a des petites subtilités qu'ils ont changées comme ça pour donner plus de corps au livre et pour, au final, donner plus de sens au film. Ils sont dû passer sur certaines choses. Alors moi, j'étais très content qu'ils donnent vraiment son temps à Fedro Ta parce que du coup, il était absent du premier film et je me disais, putain, un personnage aussi important qui est en quelque sorte l'opposant final de Paul dans ce premier livre se retrouve à être uniquement dans le deuxième film et pourtant, ils prennent vraiment le temps de le mettre en avant. C'est vraiment très très cool. Le Baron Harkonnen aussi, qui est très présent et dont on voit sa vulnérabilité et son manque d'assurance s'effriter petit à petit au fur et à mesure du film. Vraiment très très bon à ce niveau-là aussi. Concernant les choses qui n'ont pas été respectées, elles n'ont pas été respectées de manière très intelligente. C'est vraiment une excellente adaptation. Alors, par contre, malheureusement, ouais, c'est vraiment très cool. Hein, en vrai. Ouais, ils ont malheureusement, du coup, passé sous silence tout Tufir Awat dans le film. Tufir n'est absolument pas dans le deuxième film, ce qui me peine énormément parce que c'est un de mes personnages préférés. Mais bon, ils l'ont fait parce que, voilà, ils ont décidé de faire que les actions de Tufir soient données à celles du Baron Harkonnen et sont justifiées scénaristiquement. Il n'y a aucun problème avec ça. On a même eu des personnages comme Dame Fenring qui fait une apparition à l'écran, ce qui m'a tué. Je pensais pas qu'un personnage aussi important et pourtant qui aurait pu être passé sous silence dans l'adaptation cinématographique soit présent. Ça m'a pas mal tué. Surtout qu'au final, sa reproduction avec Fedro Ta pour créer un fils qui normalement lui est censé devenir le Lisan al-Gaïb, qui, dans les livres, a elle-même été passée sous silence, parce qu'en fait, l'auteur y a pensé, s'est dit « je vais placer cette mine-là », et au final, il l'a zappé. Et du coup, ça n'a jamais rien donné. Donc, comme quoi c'est intéressant, ça donne ce genre d'artefact. Et la relation avec Shani, qui n'est pas du tout comme ça. Normalement, Shani, elle croit Paul dur comme fer, et Paul lui annonce au KLM « alors, je vais me marier avec la princesse Irulan pour des raisons politiques », elle est en mode « ok, si tu le dois, mon amour, je t'aime ». Alors que là, pas du tout. Et ça donne un personnage beaucoup plus nuancé, beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant ce qui a été fait dans le film. Ouais, hein, oui. Tout à fait, avec une Shani, du coup, qui part en désaccord. Et je suis très étonné de cette décision. Du coup, je suis très intéressé de voir l'Empereur Dieu de Dune. Et puis, je suis très intéressé de voir ce deuxième livre, tout simplement, parce qu'on est censé avoir un humain qui se transforme en vergéant. Donc, graphiquement, je m'attends à quelque chose de très intéressant. Voilà. Ensuite, parmi les choses dangereuses qu'ils n'ont pas fait, ils ont très peu traité la sœur de Paul, qui, au moment des faits, est censée être née depuis pas mal de temps, parce qu'elle n'a le droit qu'à 4 mois de gestation. Ouais, c'est un bébé qui naît en 4 mois. Ah ouais, trop bizarre. Elle naît en 4 mois, et 6 mois plus tard, elle a l'apparence d'une gamine de 2 ans. Faut quand même pas oublier que sa mère a bu de l'eau de vie et que du coup, sa fille est une mutante, mais genre une grosse mutante, capable de voir le futur et qui a des pouvoirs psychiques. Hein.
Donc, c'est pas une petite mutante. Et ça, c'est un gros truc passé sous silence. Donc, je suis curieux, parce que moi, j'adore quand ils prennent des risques comme ça à changer certaines choses, mais de manière suffisamment intelligente pour pas dénaturer le propos, mais pourtant faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression de relire le livre. Parce que moi, lire le livre et le regarder au ciné, ça ne m'intéresse pas. Voir ce genre de différence, voir ça, ce genre de choses... débat qu'on pourrait faire. Bah, pourquoi pas. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore Je suis une légende. Lisez le bouquin Je suis une légende, hein. Il fait genre 200 pages. C'est un livre qui le cite très bien, c'est très bien écrit, c'est super sympa, l'histoire est géniale. Par contre, déjà, ce n'est pas Will Smith, parce que le gars, c'est un gros blanc. C'est pas des espèces de créatures nocturnes zombifiées, c'est des vampires, mais genre littéralement, ils les appellent les vampires et ils les tuent avec des pieux dans le cœur. D'accord. Et ils craignent pas la lumière. Donc il y a plein de trucs qui sont différents, ou comme iRobot, le livre iRobot n'a vraiment rien à voir. C'est pas du tout une enquête, il y a pas de flic. C'est juste des situations avec des robots. Et pourtant le film iRobot est génial. Je suis une légende, c'est génial. De films avec Will Smith, lol. Aladdin, c'est pas génial. Donc, du coup, le fait d'être différent du livre, c'est pas mal. Et là, du coup, on est pile poil dans le sweet spot. Respect de l'œuvre originale, incroyable. Denis Villeneuve, il a dû lire le bouquin 20 fois. Pas possible autrement. Et pourtant, il y a suffisamment de différence pour que ça rende le tout intéressant. Tout en gardant jusqu'à des micro-détails de l'univers dont on t'aurait pas rien à foutre. Et sur le point de « il y a des choses que vous n'avez pas compris », on en parle en off et moi je vous explique tout ce que vous n'avez pas compris. Sur ce... C'est pas compris, c'est que c'est passé assez rapidement et ça aurait mérité un peu plus d'explications. Et c'est peut-être comme ça dans le livre, mais du coup ça aurait mérité quand même aussi dans le livre. Il y a des trucs, voilà. Il y a des choses où ça allait un peu vite et ça aurait peut-être mérité un peu plus de détails ou autre, mais... Mais globalement, ça reste quand même un très 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 bon film. Et en fait, je l'ai ressenti un peu, mais c'était pas gênant parce que tu dis en fait, ils ont fait des choix pour le film et c'est pas très grave. Par contre, j'ai quand même ce qu'il me faut pour comprendre. On a quand même pas mal de détails qui sont donnés et en même temps, pas beaucoup pour que ça reste assez léger pour un film parce que c'est pas non plus une série. Donc, c'est assez bien dosé. Et par contre, Léa Seydoux, elle est partout. Hein. La quoi ? Léa Seydoux, elle est partout. Ah, Léa Seydoux, ouais, putain. C'est incroyable. On la voit pas longtemps, mais on la voit. Alors, le pire, c'est que j'arrive pas à reconnaître sa tronche quand elle est là. Et du coup, c'est à la fin du film. Ma chérie qui me dit je lui dis, putain, je m'attendais pas à voir Lady Fenring. Parce que du coup, il n'y a pas le duc de Fenring. Qui est un personnage super important dans le bouquin et qui est très intéressant. Et du coup, il y a sa femme qui est là et je trouvais ça très, très cool. Et du coup, à la fin, elle me dit « Ah, mais c'est Léa Seydoux !» Ah bon ? Okay. J'ai regardé Laurent, voilà. J'ai fait « C'est encore Léa Seydoux ?» Je ne sais pas pourquoi il parle. C'est pas trop fond, on n'est pas allé voir Death Stranding au cinéma. On dirait Marion Cotillard. Comme quand il y a eu Batman, Marion Cotillard était partout. Et Léa Seydoux, j'ai l'impression que c'est Marion Cotillard bis. Enfin, bref. Vous voulez que je vous fasse une imitation de la mort de Marion Cotillard surtout. Dans Batman. Attends, c'était comme ça. Qu'est-ce qu'on a vu sur Avatar du coup ? Ah oui, Avatar, la série. Alors, j'ai pas fini la série pour l'instant. J'ai vu que 4 épisodes. Je fais une pause, je sais pas pourquoi. Mais je trouve ça plutôt sympathique. C'est fidèle, très fidèle à l'animé. Je mets le trailer peut-être, attends. Très fidèle à l'animé visuellement. Non, ta scène est bonne. T'inquiète. Ouais, okay. Je gère les scènes. Très fidèle à l'animé visuellement, au niveau des costumes, au niveau de la tête des persos, tout, que ce soit Hiro, le Seigneur du Feu. Seigneur du Feu qui est joué par l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur, c'est l'acteur de Lost, je crois. C'est pas ce qu'on avait dit lorsqu'on avait regardé le trailer sur la fidélité des, des trucs, mais ok. Des costumes ? Si, moi j'ai vu la série animée, je te dis qu'au niveau... Non, c'était plutôt sur les tronches des personnages, hein. Franchement, à part Aang, je trouve... À quel moment ce gars-là, c'est Zuko hein. Bah,
Déjà, pour moi, c'est bien qu'ils aient pris que des acteurs asiatiques parce que c'est que censé être des peuples asiatiques dans l'animé, tu vois. Oui, c'est sûr. Oui. L'actrice de Katara, j'aurais préféré qu'ils prennent une actrice aux yeux bleus comme dans l'animé, mais celui qui fait Sokka. Elle est assez doux. Mais celui qui fait Sokka, il est très réussi. J'aime beaucoup l'acteur qui fait Sokka et le personnage de Sokka est très très bien représenté pour l'instant dans cette adaptation. En vrai, Hiro, il a une bonne tête. Et ouais. Hiro, de toute façon, c'est le pic de cette série, Hiro. Et même dans le film que personne n'aime, Hiro est incroyable. Donc après, il faut que je finisse la saison. Mais quel les effets besoin spéciaux, faire un truc comme ça en live action alors que c'est tellement plus joli en animé. Je suis d'accord, en fait, c'est le problème c'est ce que j'allais enchaîner là-dessus, c'est le problème des séries animées pour les retranscrire en live action. Tu trouves l'équilibre entre, bon, ça passe en live action et le truc un peu foufou de l'animé, quoi. Et là, et tu puis ressens même, je pitch l'animé. Pas. Hein ? En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc. Sur Dune, quel intérêt ? Sans déconner. On a déjà la film animée, enfin, on a déjà la série animée, l'animation est pas dégueulasse. Comme quel intérêt de faire la série One Piece aussi, Netflix, quoi. Ouais, mais quel intérêt ? Il n'y en a pas. Alors, pour la série One Piece, il y en a. Il faut savoir que les mangas, aux États-Unis, c'est beaucoup moins proéminent que chez nous. Il ne faut quand même pas oublier que nous, en France, on est le pays de la bande dessinée. Et en fait, on est le deuxième pays le plus consommateur de mangas après le Japon. Donc, il faut quand même imaginer que nous, notre territoire, il fait quoi ? Peut-être un 40e des États-Unis ? Et peut-être même moins que ça encore. Dans l'idée, ouais. Donc, il faut imaginer que là où nous, on est combien ? On est 3 500 000, un truc dans le genre, je ne sais plus. Non, 70 millions, un truc comme ça. Non, autant ? Oh putain, j'ai rien dit, ok, autant pour moi. 70 millions. Maintenant, imaginez 40 fois ça. Et imaginez le potentiel mercantile de ça. 67,7. Oh putain, ok, d'accord, j'avais aucune idée de chiffre aussi dingue. Donc, du coup, ouais, on est beaucoup. 331. Et du coup, il faut imaginer qu'aux États-Unis, ils sont 40 fois ça. 331 millions. 332 millions, même. C'est monstrueux. Et tout ça, bah, c'est des gens qui peuvent acheter des goodies, qui peuvent réacheter la série en DVD, et qui peuvent faire de l'audimat sur les publicités. Et donc, une série américanisée, ça se vend plus. C'est pas pour rien qu'ils ont fait des adaptations merdiques de Death Note, qu'ils ont fait de d'autres séries, et qui font ça. Ou Dragon Ball Evolution, parce que ça se vend. Ou même nos films français qui reprennent à chaque fois aux États-Unis. Alors, pour le coup, pour Avatar, là, même si globalement l'histoire est fidèle à l'animé, ils ont quand même modifié des choses. Là, dans le premier épisode, on voit les origines de Aang, entre guillemets, ce qui lui arrive dès le début, alors que dans l'animé, c'est abordé un peu plus tard, dans quelques épisodes un peu plus tard. En fait, là, dans l'animé, il y a un épisode où dans la cité d'Omashu, qui dure 20 minutes, et là, ils ont décidé de faire deux épisodes de 50 minutes dans la cité d'Omashu, du coup. Je sais plus avec qui j'en parlais, mais on disait que l'avantage d'un animé, c'est que tu peux faire des choses qui sont pas naturelles, mais qui passent parce que c'est un animé et tu vas pas sortir du truc. Et des choses qui sont même bizarres en termes de dessin. Mais c'est pas grave, c'est un animé, ton cerveau admet. C'est ça. Le problème du live action, c'est que tu fais des effets spéciaux. Et si l'effet spécial est un peu bizarre ou tu fais un monstre qui veut rien dire ou autre, mais c'est tout de suite plus dégueulasse. J'allais dire, on n'a pas dû en parler parce que quand on avait parlé de l'adaptation One Piece, j'attends tellement l'adaptation dans très très longtemps en live action de l'arc Wano Kuni, hein, parce que moi, le combat contre le dragon où One Piece devient Gear 5 et qu'il devient un personnage de dessin animé, où il fait que des conneries de dessin animé, ce qui passe en animation ou ce qui passe en manga, parce que du coup, c'est un personnage de dessin animé. Sauf que du coup, il devient une caricature de lui-même, il devient un personnage de dessin animé d'enfant. Sauf que du coup, à la télé, ça ne va jamais passer, ça. Ah bah non. Vous pouvez... Il y a des très bonnes adaptations en live-action, et qui font du sens. City Hunter, le film avec Jackie Chan. Finalement, Sonic a réussi aussi en tant que film. Ouais. C'est pas faux. Mais il n'y a pas tout l'univers du truc et ils ne sont pas partis dans le mode c'est dans l'univers de Sonic, mais on ramène Sonic dans notre univers.
Là, c'est le truc facile, comme Mario, tu vois. Mais Mario, par exemple, ils ont décidé de faire un film full animation. Donc, c'est de l'animation, donc ça passe. Le film Mario de 90, c'est les enfers. J'adore ce film. Et du coup... Après, de mémoire, dans Avatar, il y a pas, il y a des trucs un peu what the fuck, mais pas trop. Il y a une trilogie de Kenshin. Mais Kenshin, c'est un truc réaliste. Kenshin, c'est un samouraï. Ça passe. Il fait rien d'incroyable dans les animes. Dans les animes, le truc le plus incroyable qui se passe, c'est qu'il y a un mec qui met de l'huile sur son épée pour l'embraser. Il y a... Full Metal, c'est de la merde. Full Metal, oui, pour... Enfin, voilà, j'ai pas vu le film en entier, mais j'ai vu le début du premier, j'ai pas été... Mais après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui regardent. Donc, ils auraient tort de s'en priver. Oui, mais c'est ça le principe. C'est qu'en fait, même si tu fais de la merde, si c'est de la merde qui fait de l'audimat, c'est de la merde que quelqu'un est en train de manger. Donc c'est de la merde pour... qui paye. Exactement. Donc, à quel moment tu vas t'empêcher de faire de la merde qui marche? C'est pas pour rien. C'est pour ça que je refuse catégoriquement d'aller voir les Disney live action au cinéma. Exactement. Et c'est pas pour rien qu'on ressort toujours des FIFA tous les ans. C'est la même chose que l'année précédente avec juste les équipes qui changent. Parce que ça se vend. Et ouais. Et bah ouais. Mais bon, Avatar, je vous le dis, c'est pas nul. Donc si vous êtes curieux, regardez. Non, le truc, c'est qu'en fait, le matériau de base, il est excellent. Oui. Si tu respectes le matériau de base, tu peux pas faire une mauvaise série. Ils ont fait un mauvais film pourtant en 2010, mais bon. Oui, parce qu'il moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai pas trouvé mauvais, moi je le défendrai jusqu'à la mort, ce film. Parce que pour peut-être le coup... Peut-être un peu plus fan des costumes au niveau du film que dans la série, parce qu'ils sont un peu plus réalistes. Les acteurs que j'ai bien aimé, le choix des acteurs pour les nations, le parti pris que les éléments ne se gèrent pas de la même manière, ils ont tenté de prendre des risques. Et ça, pour moi, la prise de risque, même si c'est raté, ça se respecte. Je préfère un film qui prend des risques et qui se foire qu'un film qui reste dans la complaisance et qui fait un truc aseptisé juste pour plaire à un public. Parce que moi, j'ai pas envie qu'un film me regarde et me dise « Oh, t'es un gamer ! Regarde, j'ai mis tes trucs de gamer à la con, là, t'aimes ce film ?» Non. Je vois ce que tu veux dire. Dans ce cas-là, est-ce qu'on devrait aimer Star Wars 8 et Star Wars 9 ? Bon, allez, passons là. Sauf la scène du combat sur les restes de l'étoile noire. Cette scène-là, elle est dantesque. Bon, bah, c'est vrai que Star Wars, c'est un peu comme ça. Vous aimez les sabres laser, bande de geeks, prenez-les, bande de cons. Le film en 3D avec la chasse aux œufs de Pâques, là, comment il s'appelle ? Ready Player One. Ah oui. C'est pas un mauvais film. Le film, moi, je l'ai trouvé très sympa. Il y a plein de bonnes idées dedans. Par contre, tu vois clairement qu'il y a la partie fidèle au bouquin, le moment où il va chercher l'œuf dans Adventure, les références à des vieux films, à des vieux jeux vidéo, des trucs comme ça, la référence à Shining. Ça, tu sens que c'est construit, que ça fait partie vraiment d'une réflexion. Par contre, la scène de baston où t'as Tresseur de Overwatch, t'as le géant de fer et tout le bordel, ça, je voyais un mec qui disait, vous avez vu, le Sébastien Racia. Oh, vous avez vu, je vous ai vu vos trucs de con là, vos trucs de gamer là. Oh, vous êtes content ? Allez, pas chier là. C'est, ouais, c'est ça qu'on me dit au visage, moi. Et ça, j'ai envie. Après, ça, c'est un détail du film. Regardez Scott Pilgrim. Ça, c'est un vrai film et une vraie série qui parle de jeux vidéo avec amour. Scott Pilgrim. Ok, bon, bah, voilà en tout cas pour Avatar. Et je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur le dossier du mois. Yes. L'hommage à Akira Toriyama. Ouais. Un petit quart d'heure dessus, si vous voulez. Tu as prévu un jeu typo pour la fin ? Un petit. Okay. Sans déconner ? Ça va dépendre de vous. Ça marche. On va pas plus d'un quart d'heure, Sonata. Ok. Bon, on peut faire 20 minutes. Mais... Ouais, 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Akira Toriyama. Donc oui, Akira Toriyama qui nous a quittés. On a pris la news fin de semaine dernière, mais ça s'est passé un peu plus tôt. J'ai vu, c'était le 1er mars qu'il est décédé. 1er mars, ouais. Ouais. Voilà, c'était triste. Merci beaucoup. Sur ce, bonne soirée à tous. Vous avez pleuré. Non, sans déconner. Bah, on avait posé une question simple. Ah, Stalas qui nous rejoint. Stalas qui nous rejoint pour parler de Toriyama. Comment ça, Stalas nous rejoint ? Mais Stalas, tu n'es pas sur le live. Je ne t'ai pas prévu dans les overlays. C'est pas grave. Il vient nous faire une apparition surprise. Oh merde. Non, pas lui, non. Bah, vous savez quoi ? Non, mais on t'entend pas du coup. Aussi. Ah merde.
Mais il est chiant. Dégage bah, là. Je vous propose de commencer par bah, c'est quoi votre rapport à Toriyama? Qu'est-ce qui fait que, parce que du coup pour vous, qu'est-ce qui fait que le décès de Toriyama c'est pas juste un kidam qui vient de claquer quoi? Alors, parce que pour moi, c'est pas un kidam qui vient de claquer. Moi, je suis peut-être celui qui est le moins impacté entre nous quatre, parce que moi, Dragon Ball, je l'ai vu que très tard, quand j'avais 20 ans, entre 20 ans et 22 ans. J'ai regardé les premiers Dragon Ball en streaming, j'ai regardé Dragon Ball Z un petit peu en streaming et un peu sur Game One aussi. J'ai vu Dragon Ball Z, j'ai pas vu GT, j'ai pas vu Super après, tu vois. Et moi, mon premier manga, qui est toujours mon manga de cœur, c'est Naruto. Donc j'ai toujours préféré Naruto à Dragon Ball. Je me casse. Mais je sais que Dragon Ball a son influence sur tous les mangas. Ces enfants, on va dire, qui sont en gros Naruto, One Piece et peut-être Full Metal ou d'autres, tu vois, ou Bleach. Et il est vraiment parti. Ouais. C'est vraiment parti. Le seul truc positif qu'il y a Naruto, c'est que du coup, maintenant, on a des hentai où il y a un ninja qui se multiplie en plusieurs pour prendre plein d'anas en même temps. Enfin, voilà, c'est tout. Enfin, pour la petite anecdote, ce que j'ai toujours préféré à Naruto, c'est que du début à la fin, t'as un fil rouge, alors que dans Dragon Ball Z, en fait, chaque arc est séparé et n'a rien à voir que, là, entre les. Ils n'ont rien à voir entre les uns et les autres. Mais voilà. Ouais, enfin, le fil rouge de Naruto, excuse-moi, mais c'est Sasuke ! C'est le seul ça. Fil rouge qu'il y a. Parce que c'est la Katsuki, bah, le fil rouge. Il est enfin, ouais, enfin, la Katsuki. C'est... Et donc voilà. Et Chrono Trigger, j'y ai pas joué. Dragon Quest, j'y ai pas joué. Ah, donc, on connaît juste que Toriyama, voilà, Dragon Ball a eu son influence sur tous les autres mangas qu'on suivit, mais c'est tout. Et je respecte très bien son travail. Mais j'ai beaucoup aimé Dragon Ball quand même, mais j'ai toujours préféré Naruto. Voilà, c'est tout. T'as le droit d'avoir tort. Ouais. Non, j'ai joué à Dragon Ball Xenoverse. Alors, moi, Akira Toriyama, effectivement, j'ai connu Dr. Slump, qui est un. J'en ai plus de souvenirs, mais j'ai adoré quand j'étais petit. Les mangas. Je savais même pas qu'il y avait un animé. J'ai lu Dragon Ball, forcément. J'ai vu Dragon Ball aussi. J'ai vu Dragon Ball Z. J'ai vu Dragon Ball GT, c'était pas Akira Toriyama, mais c'était avec ses personnages. De mémoire, et puis j'ai fait tous les autres jeux. J'ai forcément fait des Budokai un petit peu avec tout le monde parce que bah, c'était une époque où on les ait tous, hein, même où tu avais un nouvel an avec tes cousins et bah, forcément tu finissais sur un Budokai ou un Tekashi, un truc comme ça. Après, j'avoue que j'ai l'impression que le bonhomme a créé un monstre et je le respecte pour ce qu'il a créé de Dragon Ball. Mais qu'après, il n'a pas fait grand-chose et qu'il a juste eu des boulots pour vivre et fait du design après, comme n'importe qui, dans des jeux vidéo. Et j'ai l'impression que derrière, après Dragon Ball Super, ce qu'il a fait, j'ai pas l'impression que c'était super ouf. Et par contre, il a fait plein d'autres trucs que je connais pas, donc je ne me permettrai pas de juger parce qu'il a fait plein de petits mangas, mais des petits one-shots. Et ça, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup de respect pour ce qu'il a fait pour Dragon Ball et pour Dr. Slump. Mais j'ai l'impression que depuis ça, on n'a pas connu grand chose de lui. Et il a fait effectivement les designs qu'on reconnaît très facilement dans Dragon Quest, etc. Mais comme quelqu'un ferait son travail, j'ai envie de dire, je sais pas, ça m'a pas marqué plus que ça. Tu commences ou je commence, Thalas? Ouais, vas-y, commence. Bon. Je pense que du coup, je suis un des plus concernés. Dragon Ball, c'est mon premier manga. C'est le premier manga que j'ai acheté. J'ai commencé comme un con quand j'étais gamin à acheter le Napoléon des mangas. Que j'ai trouvé. Et du coup, j'ai découvert les mangas avec Dragon Ball. Avec Dragon Ball et Dragon Ball Z. Hein. J'ai vu Dragon Ball, j'ai vu Dragon Ball Z, j'ai vu Dragon Ball GT. J'ai pas regretté Dragon Ball GT, sauf la saison 1, parce que c'est vraiment de la merde. J'ai fait tous les Budokai, j'ai fait tous les Budokai Tenkaichi, bien entendu. J'ai pas fait les vieux jeux sur NES, etc. J'avais pas la NES. Par contre, je bavais devant mes potes qui jouaient à Budokai avec moi. Qui, du coup, eux avaient une PS2 et moi pas. J'ai attendu comme le Messi Dragon Ball Saga. C'était de la merde. Et puis du coup derrière j'ai passé mais peut-être est-ce que tu as fait sur DS, ouais. Il y avait un jeu qui retraçait aussi l'histoire de Dragon Ball sur 3DS, Dragon Ball Origin. Il était incroyable, je crois, celui-là.
Il était très très bien. Et il y avait un RPG aussi qui Dragon Ball les Saiyans qui reprenait tout le premier arc de Dragon Ball Z. Donc celui avec Raditz jusqu'au combat contre Vegeta. Tous les jeux sur GBA, la légende de Goku, Dragon Ball Z 2 et Boost Fury qui sont des jeux incroyables aujourd'hui encore. J'ai pas fait Kakarot. Par contre, du coup, mon deuxième jeu de baston préféré après la série des Guilty Gear, des BlazBlue pour être exact, c'est Dragon Ball FighterZ sur lequel j'ai beaucoup 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 d'heures et qui reste un jeu incroyable et super, c'est mitigé. Mais voilà, pour dire que Dr. Slump, c'est hilarant. Si vous connaissez pas, lisez Dr. Slump, c'est impressionnant d'étrangeté. Dragon Ball, c'est tellement vrai. Dragon Ball, c'est dans Dr. Slump qui a été créé le fameux délire de tapoter du caca avec un bâton, hein. C'est terrible. Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est le père des mangas. Naruto, Bleach, One Piece, Kimetsu no Yaiba, tout ce que vous voulez, j'en passe des meilleurs, Tokyo Ghoul et tout le bordel, ça n'existerait pas sans Dragon Ball. Les gens avec des cheveux longs dans les mangas n'existeraient pas sans Dragon Ball. Ouais, Yu Yu Hakusho qui se transforme avec les cheveux longs n'existerait pas sans Dragon Ball. Super Sonic n'existerait pas sans Dragon Ball. C'est sûr. Donc, c'est une œuvre majeure du monde des mangas. Beaucoup de gens oublient que l'œuvre la plus majeure, c'est bien entendu Astro Boy, ouais. Mais en dehors de ça... Astro Boy, qu'est-ce que tu viens de sortir comme connerie, là ? Bah, l'œuvre la plus majeure de l'histoire des mangas, c'est Astro Boy, mon pote. Non. C'est littéralement le premier manga au monde. Non. C'est Astro Boy. Stalas refait l'histoire. Non, il refait pas l'histoire. Astro Boy, c'est de Tezuka, il avait fait d'autres mangas avant. Celui qui est déclaré comme le premier manga au monde, c'est Astro Boy. Qui est déclaré comme le premier manga au monde de Tezuka. C'est que les gens, t'écoutes pas les bonnes personnes. Bah non, c'est pas ça, c'est surtout qu'il y a il y avait un documentaire très intéressant sur Tezuka où du coup ils ont fait ensuite c'est des gens qui sont plus spécialisés que moi dans le domaine qui définissent ce genre de choses. Après peut-être que Astro Boy a été le premier gros succès de Tezuka avant c'est possible, c'est ouais, très possible. C'est peut-être ça aussi. Mais c'est très possible. Mémoire, je suis en train de vérifier en même temps. De mémoire, Tezuka avait fait d'autres en fait, il avait fait d'autres choses. Il y a des trucs très bande dessinée. De mémoire, il y a des trucs très vieux qui sont considérés comme les premiers mangas, etc. Mais le premier manga avec son côté caricatural, etc., c'est Astro Boy. J'ai toujours trouvé ça très touchant, Astro Boy, comme histoire. Globalement, c'est Astro Boy qui a commencé à ramener un genre un peu caricatural et qui a révolutionné un peu le manga. Tout à fait. Et après, je suis d'accord, Dragon Ball a apporté aussi une grosse touche. C'est 80, Astro Boy. Pour moi, il a plus ou moins créé le shonen, comme on l'entend. C'est-à-dire, du coup, des combats face à des ennemis plus grands que soi, la montée en puissance, l'accès à une forme de dépassement par le biais de transformation. Et voilà. Ce qui, du coup, a créé, bien entendu, plein de délires et plein de gimmicks de la transformation, des cheveux qui poussent et tout le bordel. Bref, Gon, en étant pour moi l'apogée totale, puisque ses cheveux dépassent carrément la taille de l'écran. Mais bref. Et ça puis du coup pas, derrière il faut quand même hein ça compte c'est pas, le naine c'est du naine c'est du naine et puis du coup ça a quand même créé le putain de Kamehameha. Genre quel gamin n'a pas fait ça à la cour de récré? Quel gamin ne le fait pas encore? C'est quand même une série qui aujourd'hui est super étrange à regarder pour les jeunes quand on leur dit que Tortue Géniale qui demande sa culotte à une jeune fille c'est normal et quelqu'un qui relit Dragon Ball aujourd'hui ça ne le choque pas et c'est drôle. Goku qui se demande où sont les boules de Bulma, bien entendu. Et voilà, plein de blagues potaches qui à l'époque étaient terriblement drôles, qui aujourd'hui enverraient Akira Toriyama en prison. Faut quand même pas... Donc il a fait plein de petits mangas, mais qui sont jamais trop sortis en France. Par contre, il a quand même fait plusieurs choses intéressantes, notamment dans le milieu du jeu vidéo, comme on en discutait. Du coup, la série des Dragon Quest. C'est lui, depuis le tout premier Dragon Quest, il s'occupe du design des Dragon Quest. C'est quand même pas rien. 86, la sortie du premier Dragon Quest. Merci, Stalas. Donc 86, la sortie du premier Dragon Quest. Il l'a fait juste après son tout premier gros succès qui est Dr. Slump. Voilà. Donc du coup, c'est quand même pas rien, parce que c'est une série majeure au Japon. C'est la série de jeux vidéo la plus vendue au Japon. Dans le monde, moins. C'est quand même une grosse série.
C'est une grosse série, ouais, ça reste une grosse série. Et du coup, bah, toute leur série dérivée, Monster Joker, etc., est une série beaucoup moins connue que moi j'aime bien parce que ça fait partie de l'étrangeté du jeu vidéo, qui s'appelle Blue Dragon, qui était une série de jeux sur Xbox 360, qui a eu une suite sur Nintendo DS, un spin-off sur Nintendo DS, qui sont... La suite n'est pas ouf, le spin-off par contre est un jeu très intéressant, et du coup un anime. Et donc il s'est occupé du design de tous ces personnages. Donc voilà, c'est vrai que Tipo disait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a fait quelques trucs, et puis c'est tout. Mais ouais, en fait, il a fait quelques trucs, mais des trucs tellement majeurs que bah, c'était le big boss de la game. Et c'est lui qui a inspiré une des séries les plus majeures. Genre, je veux dire, au bout d'un moment, on en est au combientième jeu qui retrace l'arc des Saiyans de Dragon Ball. Je ne sais pas s'il y a une autre série de manga qui a eu autant de fois d'adaptation en jeu vidéo pour reparler des mêmes trucs, parce qu'on s'en bat les couilles. À part on FIFA, veut balancer des Kamehameha. Hein. On veut balancer des Kamehameha. Ouais, tout ce qu'on va faire. À part FIFA, il n'y a pas mieux. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, il a raison. C'est le FIFA. C'est le FIFA des animes. Genre, vraiment. C'est le FIFA des animes. Et avec Dragon Ball Super, on n'a pas fini. Bon, non, là, peut-être Super, on l'a vu dans le Nintendo Direct. Peut-être que le... Merde, c'était quoi le manga avec les jeux vidéo, là? C'était quoi le... Il y avait un jeu là, dont on a parlé dans le Nintendo Direct ou... Oh, je sais plus. Sword Art Online. Ah oui. Parce qu'il commence à en faire beaucoup, quand même, là. Oui, Sword Art Online, bah, c'est pas prêt de finir, Sword Art Online, puisque c'est un des mangas qui est le plus qui prête le plus aux jeux vidéo. Ouais, je sais bien. Alors c'est ça et et je compte pas le nombre de jeux Gundam. Ouais, mais Gundam c'est comme Bioman, c'est très très apprécié au Japon. Non mais c'est ça, mais demain ils disent on refait un jeu, vous allez refaire l'histoire de Dragon Ball, les gens achètent. Vous allez refaire l'histoire de Dragon Ball Z, où les gens achètent. Budokai 4. Pour anecdote, du coup, Astro Boy. Et vous savez quoi, je serai le pigeon qui achètera Budokai 4. On en doute pas. C'est déjà prévu, non? Mais oui, pour l'anecdote, Astro Boy, c'était 1952, la sortie du premier tome. Putain. Oui, c'est très vieux. Ensuite, il y avait un manga. Alors, du coup, il a peut-être pas tort, Stalas, du moins, sur peut-être que la question est en suspens, parce que l'un des premiers mangas qui avait été. Une des premières bandes dessinées qui avait été soupçonnée comme l'une des premières adaptations en manga date de 1902, donc de 50 ans avant. J'ai plus le nom, mais 1902. Non, mais c'est très... Mine de rien, les mangas, on avait fait une série où je vous avais fait retracer l'histoire des mangas, on pouvait voir ça même à l'air, je sais plus quoi. C'était il y a 500 ou 600 ans. Rakuten Kitazawa, sorti en 1902. Sauf que quand tu regardes des images du bestiau, bah, ça ressemble à des estampes. Donc, est-ce que c'est vraiment... L'origine du manga, pour les historiens, ça serait des estampes. Ce serait alors, plutôt ouais, ça. Truc, que... Et l'origine du manga moderne, ce serait plutôt Astro Boy, en fait. Mais c'est ça, parce que... Du manga moderne, ce serait plutôt... Alors, moi, je mettrais le roi Léo, du coup. Même si Tezuka... Est... Bon, c'est pas... On s'éloigne du sujet, là. Mais Tezuka, c'est pas le premier à avoir fait des trucs. Mais il y en a qui disent, par exemple, que certaines œuvres de Hokusai... pouvaient être des mangas parce que c'était des histoires en cases. Le truc, c'est que Hokusai, c'est 1814. Donc, bon, l'origine est floue. Oui. En tout cas, oui, l'un des premiers mangas majeurs à définir le principe des mangas d'action, des shonen, etc., ça reste Astro Boy. Alors, il y a combien de jeux vidéo Dragon Ball ? Un milliard. Une cinquantaine ? Est-ce qu'il y a plus de jeux vidéo Dragon Ball que de jeux Star Wars? Oui, c'est très possible. C'est sûr que oui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, j'espère pas. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47. Oh merde, je vais compter jusqu'à 100. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Bon, comment t'attends que je fasse mon avis du coup ? Vas-y. Tant qu'à faire, donc. 66. Il fait chier là. Ah, j'aurais pensé plus, tu vois. Ouais, moi aussi j'aurais dit plus. Mais donc Akira Toriyama, mais c'est un daron pour moi, tout simplement. Ah, c'est mon vrai daron. Mon vrai daron de sang, je l'ai relié. Tellement deuxième daron.
Non, mais il a raison, c'est le daron des samedis matins, quoi. C'est le daron des samedis matins dans Minecraft. De vrai, Dragon Ball, ça... il y a trois mangas qui ont bercé mon enfance, et... enfin, dont je me souviens encore très bien. C'est Saint Seiya, Dragon Ball et. Et Bible Black. Non. Pardon. Sinon, j'aurais très mal tourné. Sinon, il serait moi aujourd'hui. Et le dernier, c'est Samouraï de l'Éternel. Oui, qui est beaucoup moins connu, mais qui est très drôle. Là, oui, c'est peut-être pour ça, mon premier manga, c'est peut-être Conan, ça se trouve. Non, mais voilà, Dragon Ball, ça a été mes premiers mangas achetés, ça a été mes premiers mangas lus, ça a été mes premiers mangas regardés. Donc Akira Toriyama, je me suis toujours... Pour moi, Akira Toriyama sera toujours le numéro 1 en termes de mangaka, même si je trouve que Tezuka faisait énormément dans... faisait bien, bien mieux. Quand même, ah, Tezuka est... dans tout ce qui est beaucoup de choses. En plus, ça, en grandissant, je me suis renseigné sur le bonhomme de quel est Toriyama et j'ai vu que c'était un méga glandeur. Donc, si vous vous demandez pourquoi ça, c'est un glandeur, c'est à cause de Toriyama. Non, mais véridique, le mec, le modèle du Shonen Jump, pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près, enfin, du Weekly Shonen Jump, je précise bien, là où il était publié, c'est un manga, c'est un chapitre par semaine. Donc, c'est une vingtaine de pages à faire par semaine. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut bosser toute la semaine pour le faire. Toriyama, il disait non. Moi, du lundi au jeudi midi, enfin du lundi au jeudi midi, ouais, à peu près, je fais ce que je veux et après, je bosse. Ensuite, il ne faut quand même pas oublier qu'il avait genre une cinquantaine d'assistants qui bossaient genre 100 euros pour lui. Bah, pas au début. Mais Oui, pas au début. Mais les assistants, mais ses assistants, il a toujours essayé d'en prendre bien soin. C'est d'ailleurs comme ça qu'a été créé le Super Saiyan, comme il changeait de coupe. En fait, c'est pas un oubli. Je sais pas pourquoi une légende veut que ça soit un oubli de coloriage. Non, non. C'est juste que Toriyama a dit non, vous coloriez pas les cheveux parce que comme ça vous fera moins de boulot. Après, Toriyama faisait énormément de choses. Les personnages c'était principalement lui. Tout ce qui était décor, il laissait juste faire les finitions, les ancrages. Franchement, il faisait énormément de taf pour son boulot. Alors que c'était un glandeur, qu'il n'aimait pas spécialement ça. Il n'était pas prévu qu'il vienne mangaka à la base. Hein. C'est juste qu'il avait besoin de thunes pour ses clopes à la base. Ça, je l'ai appris récemment. Mais il avait besoin de thunes. Il a participé en créant One Shot vite fait, qu'il a lancé au Challenge Jump. Il a été pris. Et hop, ils l'ont dit bah, tiens, tu veux créer un manga. Il a dit bah, j'ai besoin de thunes. Allez, vas-y, on fait. Il a fait Dr. Slump. Voilà, un des rares mangaka que je connais qui a cartonné dès son premier manga. Après, il en a fait plein d'autres. Hein. Mais donc, Dr. Slump et Dragon Ball restent ses deux œuvres phares que j'adore beaucoup. Dr. Slump pour son humour très humoresque, hein, on va pas se mentir, basé sur de la comédie parodique des comics. En fait, tout simplement, c'est pour ça que vous avez énormément de références à la vie. À notre vie occidentale, avec surtout américaine, avec les comics. Vous avez une parodie de Superman qui est Prunoman, le gars qui mange un pruneau à chaque fois qu'il se transforme, mais en fait, c'est une grosse merde qui se fait voir par tout le monde. Il faut savoir aussi que les œuvres de Toriyama, elles sont quand même beaucoup liées les unes aux autres, puisque le village pingouin, ça fait partie c'est un village qui existe dans l'univers de Dragon Ball. L'univers Dragon Ball s'étend avec, je sais plus comment il s'appelle le gars, Galactique, je sais plus quoi, Galactique Justicier. Galactique Football. Non, pas Galactique Football. Il a créé, pour Dragon Ball Super, il a créé un nouveau personnage là qui est un gardien de l'univers, François Merdo. Mais j'ai plus son Jaco, le gardien intergalactique. Mais c'est dans le dernier, ça c'est avec Beast Gohan, non? Non, c'est un vrai manga qu'il a créé avant Super. Ou d'un coup, on apprend que on apprend de manière officielle que Bulma a une sœur. Ah oui, mais comme ça quoi, comme quoi. Ah bah si, il était là. Jaco, le galactique, le patrouilleur galactique, ça s'appelle. Mais bon, un de ces trucs qui est pour moi pas assez connu, c'est quand même Sandland, qui va avoir le droit à son animé et qui va avoir le droit aussi à son jeu vidéo. Vieux truc. Je savais pas parce que j'ai vu. C'est 2000. Pas si vieux que ça, mais c'est assez peu connu. Il a tenté de rebondir. C'est pareil, c'est son trait est quand même assez caractéristique. Bon, et pour revenir à la vie du bonhomme, effectivement, pour moi, Toriyama, en termes de mangaka, est numéro 2. Le premier étant Tezuka, puisque Tezuka est surnommé à raison pour moi le dieu du manga.
puisque c'est lui qui a vraiment intégré, enfin, pas que lui, bien entendu, ses collègues et, de l'époque lui ont quand même prêté aussi beaucoup de main-fort. Mais Tezuka, à son époque, a su instaurer le manga comme étant un trait qui est aujourd'hui un trait très culturel du Japon. Et Toriyama, lui, a su poncer le truc en l'amenant. Je pense que si jamais le manga soit aussi apprécié en France, c'est en grande partie grâce à Dragon Ball. Grâce à l'anime Dragon Ball, surtout. Les mangas aussi, qui a été amené du coup par... C'est beaucoup l'anime qui a ramené les... Et après, les mangas sont arrivés. Mais l'anime a fait beaucoup en France. Oui, mais l'anime... Avec le truc de Dorothy et tout ça, là. L'anime n'aurait jamais existé sur le manga, voilà. Ah oui, non, mais ça, on est totalement d'accord. Oui. Donc voilà, donc malheureusement, ce bon bonhomme qui fait quand même pas mal de merde en ce moment nous a malheureusement quitté. Puis c'est pareil, comme Tezuka, il a été touche à tout, alors que c'était pas forcément son délire, hein, notamment l'animation des premiers Dragon Ball. Il bossait pas dessus, hein, où il demandait son avis, il répondait, mais il bossait pas spécialement dessus, ce qu'il a un peu regretté. D'ailleurs, c'est très drôle de voir qu'il a été nommé comme présentateur pour une récompense pour de l'animation, alors que le gars, il s'en battait des steaks. Il n'a jamais aimé ça. Et il le disait dans son discours, du coup, qui a été publié. Il disait, bon, bah, j'ai jamais été fan d'animation, j'ai jamais vraiment posé sur l'animation. Mais du coup, ça me fait quand même plaisir, parce que j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés par l'animation, qui m'ont transmis un peu leur flamme et tout. Donc non, franchement, je pense que c'était un bon bonhomme, en tout cas du point de vue manga. Après, du point de vue personnel, je ne sais pas, mais du point de vue manga, c'était un énorme bonhomme qui laisse un grand trou dans l'image du manga, parce qu'il n'y a aucun mangaka qui lui arrive à la cheville, en tout cas qui m'a dans ma mémoire là, aucun qui peut ne serait-ce que lui arriver à la cheville dans la nouvelle génération qui arrive. Je suis plutôt d'accord. Oui, même Oda, oui, même ton Naruto de merde, Kestis. Non, en vrai, j'aime bien Naruto, mais c'est de la merde. Mais vraiment ou pas? Parce que est-ce que tu as été voir les one-shots qu'il a fait aussi, les autres trucs? Les one-shots, non. Enfin, j'en ai parce vu. Parce qu'en fait, on connaît Dragon Ball, etc. Mais est-ce que s'il faisait un nouveau... Il est mort, hein. Mais s'il faisait un nouveau manga là, il serait vraiment bien. Dragon Ball Super, ça cartonne. Ouais, ça cartonne. Oui. Bon, d'ailleurs, Dragon Ball Super, maintenant qu'il est mort, j'espère que ça va être enfin terminé. Hein, parce que Toyotaro, juste au manège, je pense que ça va être de la merde. Mais non, bah, si, je pense que s'il avait eu le temps ou l'envie, en tout cas, de créer un nouveau manga, il aurait cartonné. Puisque après Dragon Ball, il a fait Gogo Hackman, ça a bien cartonné. Alors, c'était un one-shot, mais bon, c'est pas grave. Il a fait que des one-shots presque, je crois. Koya, ça a été... ça a parce que comme tu dis, à mon avis, il va avoir la flemme. Mais Nekomajin, ça a été un gros carton, Nekomajin, au Japon. Hein. Mine de rien. Sandland, ça a été un mitigé, mais non, t'inquiète pas qu'après, il a fait... Okay, je pose... Très franchement, en fait, je connais Dragon Ball, mais le bonhomme... Donc en fait, sa mort. Tu vois, il manque. Là, vous voyez, il manque des trucs dans ma collection là. Le seul truc qui manque, c'est les Dragon Ball, parce que je veux les anciennes versions et qu'elles sont quasi. Elles sont soit trop chères, soit introuvables. Donc en fait, sa mort me. C'est un peu. Bah, il y a un grand bonhomme parce qu'il a quand même fait Dragon Ball et que Dragon Ball, ça reste quand même une institution et qu'il a quand même fait beaucoup de choses pour. Enfin, il a fait ça quoi. Mais après, d'un autre côté, le bonhomme, je connais pas et. Et personnellement, ça ne me touche pas. T'as le droit d'avoir tort, hein. Non, mais en fait, j'aime beaucoup être inspiré par des gens. Et du coup, voir un petit peu comment ils... Enfin, c'est pour ça que tu m'aimes autant, je comprends. Enfin, tu vois ce que je veux dire, être inspiré par ce qu'ils font et comment ils le font, etc. Mais du coup, Akira Toriyama, je ne connais pas sa vie. Donc... y a un côté où il est mort... Je ne savais même pas quel âge il avait, donc ça pouvait être normal, tu vois. Il a 68 ans. Sont morts d'un œdème cérébral. Ça reste assez jeune. Ouais. Au Japon.
Ouais, partout, 68 ans, c'est pas un bon partout, âge. Ouais, partout, ça dépend. En Afrique, bon, peut-être pas au Zimbabwe, mais ouais. Bon, ok, ouais. Peut-être pas en France en 1750, je l'admets. Mais par contre, j'admets volontiers qu'effectivement, on a un gros trou au niveau du manga parce qu'il n'y a que lui qui a réussi à. Enfin, parce que même One Piece, qui a quand même son succès, n'a pas le même succès que Dragon Ball. Hein. Ah, One Piece, honnêtement, je continue à le dire. Peut-être que ça va qu'on va se tromper. Hein. Peut-être que je vais me tromper. Mais One Piece, pour moi, ça va se terminer. Et plus personne n'en parlera après. Je pense que c'est totalement ça. Sauf s'il y a une suite. Comme Naruto. Ah, Naruto le truc, c'est que. La fin, incroyable, que Naruto. One Piece, il est un peu particulier, ce manga, parce que. C'est un des rares mangas où tu n'entends jamais parler dire un truc. Genre, quand le Gear 5 est sorti, moi, personne ne m'a dit oh, c'est tellement incroyable ou quoi que ce soit. Ouais, Gear 5, je m'en fous. Le cinquième forme, pas en fait, Super Saiyan, par contre. Tu lis le manga pour savoir ce qui se passe. Parce qu'en fait, les dessins, c'est du bordel ambiant. Et en fait, ce qui est intéressant dans One Piece, c'est au final, qu'est-ce qui se passe dans le décor? Qu'est-ce qui se passe avec les personnages? Pourquoi c'est autant de bordel? Qu'est-ce que c'est que tout ce scénario? Et en fait, pour le coup, c'est un truc où tu attends le déroulé, alors que dans la plupart des shonen, au final, ce qui t'intéresse, toi, c'est d'attendre le moment où il va y avoir un retournement de situation, où il va y avoir un personnage faible qui va devenir fort, ou un personnage fort qui va montrer qu'il l'a encore plus, un maître qui arrive quand t'as le Tortue Génial qui débarque et qui se met à affronter d'autres personnages, quand t'as Vegeta qui se transforme en Super Saiyan, enfin, voilà, c'est ces personnages-là qui nous intéressent. T'as Trump du futur. Voilà, par exemple, Trump du futur qui vient pour... Hein. Enfin, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et One Piece, le truc, c'est que depuis le Cypherpol, bah, il n'y a pas de moment bangers, en fait. Donc, t'inquiète pas, il arrive, le Cypherpol. Ouais, mais je pense pas qu'on aura un moment aussi bangers que ce qu'on a eu avec le Cypherpol. Mais pour moi, One Piece, c'est... Alors, il y en a beaucoup qui disent que Bleach aurait dû se terminer après Aizen et les Espadas. Bah moi, je pense que One Piece aurait dû s'arrêter à Marineford. Ouais. Parce que depuis, ça ne fait que se casser la gueule. D'accord. Enfin, après, c'est mes goûts. Hein, mais ça aurait dû s'arrêter à Marineford. Je suis d'accord. Et moi qui aime beaucoup Détective Conan, bah alors moi, j'en reparlerai quand Détective Conan sera terminé. Mais pareil, je ne suis pas sûr que c'est. Ça va survivre un petit peu. Mais parce que, quand même, je crois qu'au Japon, Détective Conan, il reste une institution. Mais ça ne survivra pas autant que Dragon Ball, c'est sûr. Ah puis d'ailleurs, il n'y a pas autant de jeux Détective Conan que Dragon Ball. Bah, c'est pas. Est-ce qu'il y a des jeux Détective Conan? Oui. Sonic. Ouais. Oui, il y en avait un sur Wii, avec tout le temps la même musique. Qu'est-ce que j'en ai marre de cette putain de musique? C'est pas une œuvre qui. C'est pas une œuvre qui se prête beaucoup aux jeux vidéo aussi, Détective Conan. Bon, aussi, des petites enquêtes, ça passe. Moi, je trouve pas. Après, je suis pas très jeune d'enquête, mais tiens, on parle. Toi, t'as Phoenix, t'as Letton. Les musiques de Dragon Ball, ça reste. Ça, c'est des musiques magnifiques. On n'aura que 20 ans. Ça n'a rien à voir avec les musiques américaines. Les musiques américaines, c'est bien de la merde. Ouais, les musiques de Dragon Ball sont assez retardées. Et d'ailleurs, je pense qu'on est dans une très mauvaise période pour les mangaka depuis 2-3 ans, hein, puisque cette année, c'est Toriyama. L'année dernière, on a eu le mangaka de Berserker qui nous a quittés. Ouais. L'année d'avant, c'était Takahashi, le créateur de Yu-Gi-Oh! Moi, Je suis mort ? Bah oui, ça fait un moment. Oh, merde ! Ça fait, je l'avais entendu aussi. Ouais. Tous tes pères sont morts, Stalas. 4 juillet 2022, donc ouais, ça fait près de 2 ans qu'il est mort. Tous ceux qui étaient ses pères éventuels sont morts. Ouais, bah, le prochain, je crois tes doigts pour que non, mais je sens que d'ici la fin de l'année prochaine, il y aura peut-être Kurumada, du coup, le père de Chevalier Zodiac, qui risque de mourir. Oh non, par pitié. Là, j'ai peur. Parce qu'après, tous ceux qui ont été du côté de Akira Toriyama dans les années 80-90, c'est des mangaka qui ont plus ou moins fini leur carrière, comme le papa de Kenshin, alors c'est Watsakami, je sais plus, j'en doute. Alors moi, je sais pas quoi, Watsuki, voilà. Watsuki qui, oui, ça on parle en off, mais ouais, voilà. Lui, il a plus fait grand chose derrière. Le mec de Samurai de Porcio, de mémoire, il a fait Samurai de Porcio, et puis après, il surfe, il est passé à autre chose. Pour le moment, on a Tite Kubo aussi. On n'a pas de nouvelles de lui. Et ouais, après, c'est. Il y en a un autre que j'aime beaucoup. J'ai plus le nom. Mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Mar, le créateur de Mar.
Il y a le créateur de Rave aussi, qui a fait aussi Fairy Tail, mais c'est pas de la même. Mais lui, il est plutôt de la génération de. Le créateur de Mars, c'est. Ah, merde, ça l'envers. Si, Nobuyuki Hanzai. Eh ben. Ah ouais, c'est Hanzai. Nobuyuki Hanzai, ouais, qui a fait aussi. C'est un des rats. C'est comme. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Je viens de le tordre en trois pour aller le lire. Ouais, alors moi, je peux pas parce qu'il est. Bah, en fait, j'ai Flame of Reka en face de moi et après, j'ai tout le reste. Mais c'est un des rares mangakas comme Toriyama où à chaque fois que je lis une de ses œuvres, je suis sur le cul parce que j'adore. C'est très rare que j'en trouve des. De mémoire, je crois qu'il y en a que trois. Mais voilà. Du coup, non, je pense que Akira Toriyama, il est. Parce qu'il sait compter que jusqu'à trois. Voilà le problème. Non, c'est parce que je pense qu'il n'y en a vraiment que trois. Parce qu'en général, il se diversifie beaucoup et que même s'il garde un style graphique assez proche entre des mangas, sauf Sanfuara Tokashi, qui change de style de graphique toutes les trois pages. C'est bien. Mais ouais, non, je pense qu'il n'y a personne qui arrivera au niveau de Toriyama et je pense qu'il y a très peu d'œuvres qui arriveront. Après, est-ce qu'il pourrait arriver, est-ce que tu as la possibilité d'arriver à ce niveau-là? C'est compliqué aussi maintenant avec le nombre de mangas qu'il y a. Non, moi je trouve qu'un manga qui pourrait vraiment se détacher et rester, ça serait possible. Mais. T'étais quand même à une époque où il n'y avait pas grand-chose. Il a sorti... Alors certes au Japon t'avais plus, mais en France par exemple, c'est vraiment l'anime qui est arrivé du Japon, c'était un des seuls, et ça a changé le truc parce que... Enfin l'un des seuls, non. Non mais il avait un truc particulier. Je ne peux pas dire que c'était l'un des seuls, il est arrivé avec Cobra, Goldorak, les Chevaliers Zodiac... Venant d'un manga, je veux dire. Non, t'inquiète, il n'est pas arrivé tout seul, il est arrivé... Non, il n'est pas arrivé tout seul, il y avait pas d'autres trucs sur les d'accord. Ils sont arrivés avec une bonne armée, t'inquiète pas, avec le club Dorothée, ouais. D'avant, là, je ne sais plus comment ils s'appelaient. T'inquiète pas que les mangas... T'inquiète pas que les mangas 80-90, ils y allaient. Hein. Oui, bon, il y a eu plein de trucs, puis on a eu tout le droit au Shoujo aussi, Princesse Sarah, Les Malheurs de Sophie, on avait... la collaboration franco-japonaise avec Renard. On a eu Olivier Tom. Collaboration, je crois que c'était Japon et comment ça s'appelle et Belgique. C'était l'école des champions. On a eu ce qui était les grands du genre, donc les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les dessins animés, n'oublions pas, de Mario et Sonic. Ouais, bon alors Ah ben ouais, hein. Bon, en tout cas, c'est bien, on a tous une vision différente par rapport à Toriyama, une expérience différente par rapport à notre jeunesse, etc. Donc, voilà. Mais bon, ouais, on a le droit à Kestis qui nous a dit c'est quelqu'un d'important. Stalas qui nous a dit c'est papa. Moi qui ai dit c'est l'une des personnes qui a fondé ma vision des mangas. Et Tipo qui nous a dit moi je m'en bats les couilles. Il n'a pas de cœur. Importante dans le paysage de l'art en général. Non, ça reste quelqu'un d'important, mais personnellement, ça me touche pas forcément parce que, en vrai, pour moi, après Dragon Ball Z, il n'y a pas grand-chose et le reste m'a pas intéressé. Du coup, ouais, en fait, depuis Dragon Ball Z, pour moi, ce qu'il a fait m'a pas intéressé. Donc voilà. Par contre, je reconnais que ce qu'il a fait, c'est incroyable. Et que j'ai très envie de me relire Doctor Slum, du coup, en fait. Parce que je sais que j'ai adoré et que je pense avoir la chance... Ils vont pas tarder à réapparaître dans tous les Fnac et Cultura. Voilà. Ouais, et je c'est pense vrai, à... ça, pour le coup, je vais enfin pouvoir me les fournir. Et je pense avoir la chance d'avoir oublié Doctor Slum. Moi du aussi. Coup, je me souviens de 3-4 blagues et c'est tout. Du coup, moi, ça fait partie des rares œufs où mon cerveau l'efface pour pouvoir les redécouvrir avec plaisir à chaque fois. Ouais, ça, c'est trop bien. Comme ça, t'as la chance. Il y en a pas mal des comme ça. Tous les mangas que j'aime, ils font comme ça. La chance de pouvoir le faire. Ouais, c'est pas de le faire. Ouais, dans les mangakas dont j'aime toutes les œuvres, il n'y en a pas des masses. Il y a Hanzai. Il y a Nobuyuki Hanzai, il y a Akira Toriyama, et puis le dernier, c'est celle de Ranma 1/2. Comment s'appelle cette dame? Rumiko Takahashi. Voilà.
C'est trois. À la limite, il y a peut-être Togashi, mais Togashi, il ne fait pas grand-chose. Enfin, plutôt, il fait des choses, mais il le fait lentement. Oh, ouais. Ok. Bon. Bon, bah, sur ce, je vous propose de passer au jeu que Tipo nous a préparé avant de nous quitter pour ce soir. Allez, Stas, tu dégages. Non, Stas, okay, il peut rester. Stas, oh, merde! Ah, Stas, il reste. Parce qu'il est sur l'overlay. J'ai tenté. Non, mais du coup, ça va être un devine tête parce que j'ai pas eu d'autre idée à faire avec Akira et Toriyama. Donc, globalement, ça va être l'idée, c'est de trouver quel personnage de Dragon Ball vous êtes. J'ai pris exprès pas les personnages les plus connus, mais des plus connus quand même, normalement. Hein, mais... Avec mon ventre, je suis Yagi Robé. Voilà. Avec ma perversion, je suis Tortue Génial. J'ai pris ce genre de personnage. Je vais faire un truc, c'est que je vais mettre un chrono de 30 secondes et vous avez décidé qui passe en premier. Mikan Rosy Sensei, d'ailleurs, au passage. Il me faut un chronomètre sur mon téléphone, ça va suffire. Une minuterie de 30 secondes, même. Tac. Et on va faire chacun son tour. Soit on fait chacun son tour, soit je mets un chrono et on voit combien de temps il prend à trouver et on fait comme vous voulez. On peut faire chacun notre tour, c'est pas mal. C'est rigolo. Vas-y, comme tu veux. Ok, je me cache. Ok, alors, qui commence ? Stalas commence, du coup. Stalas commence. Alors, du coup, Stalas sera... Je vais l'écrire sur le stream, donc ne regardez plus le stream, s'il vous plaît. Ok. Stalas sera... En troisième. Sera ce personnage. Alors, attendez, hop, Stalas sera... Tac. Et du coup, comment je fais, moi, pour voir... Oulong. Bah, toi, je ne l'envoie pas. J'envoie à Kessi, c'est Stalas. Kessi, c'est cela. Bah, parfait, c'est bon alors. comme ça, ils vont pouvoir répondre à tes questions pendant que je gère le chrono. Et est-ce que c'est un personnage Dragon Ball? Tu vas regarder c'est quoi ce personnage parce que je ne le connais pas. Oh putain, il me fait peur. Vas-y, envoie-le moi, je vais lui donner des indices. Je fais semblant. Ok, vous avez c'est le bon, personnage. Je vois qui c'est, mais je me rappelais plus qu'il s'appelait comme ça. Vous avez le personnage de Stalas qui est affiché sur le stream, ne regardez pas. T'es prêt, Stalas ? T'as le droit de poser des questions, normalement que par oui ou par non, mais oui. Oui, bon, on va faire ça. Et bah, 3, 2, 1, go ! Est-ce que c'est un Terrien ? Vous lui répondez ou pas ? Ah, du coup, moi, je peux regarder, du coup, pour Stalas ? Alors, attendez. Je vais mettre pause. Et Martin, sur Discord, Sonata et Kessis, je vous ai envoyé qui est le personnage. Ouais. Ah, d'accord, je n'avais pas vu. Excusez-moi, j'ai fermé Discord, c'est pour ça que j'ai rien reçu. Dans ma tête, moi, je dirais que oui, c'était rien. Ah oui, c'est un Terrien. C'est un Terrien. Ouais, c'était rien, ouais. Et du coup, je vous laisse lui répondre pour que je puisse gérer le chrono. Ok, go, reparti. Est-ce que c'est une femme ? Non. Non. Est-ce que c'est un homme ? Bah oui. Je demande, on ne sait jamais. Il y a des étrangers dans Dragon Ball. On ne sait pas trop, en fait, si c'est un homme ou une femme. Est-ce que c'est un humain ? Non. Non. Est-ce que c'est un démon ? Non. Non. Ah putain, ça aurait été drôle, ça. Donc, c'est un terrien, pas humain. Et top ! 30 secondes, c'est un peu court, hein, vu tout l'espace. Ouais, 30 secondes, c'est court. 30 secondes, c'est court. Laisse-lui 2 minutes. Je laisse 1 minute. Ouais. Allez, il repassera, il aura le temps d'en réfléchir comme ça. Ah ok, d'accord. Ah, c'est on repasse après. Ok, d'accord. Oui, on repasse. Ok. Comme ça, il a le temps de réfléchir entre temps. C'est un homme terrien. Qui est le deuxième du coup ? Bon, vas-y, je peux être le deuxième. Kestis, alors. Kestis sera. J'espère qui c'est qui sait. J'espère aussi. Moi, j'espère pas. Ça va être plus drôle. Putain. Pardon, j'ai... Ah, il est hardcore celui-là. Tu veux que je le corrige ? Je vais bon. Ouais, c'est ça. Tu me dis top, typo. Hein. Moi, j'ai peur parce que j'ai tellement de personnages en tête. Enfin. Donc, j'ai pas forcément les noms d'ailleurs. Normalement, il devrait le connaître. Tu l'as mal écrit. Ah oui, d'accord, tu l'as mal écrit. Je me disais. Oui, j'ai corrigé. Non, c'est bon. Non, c'est easy. En vrai, c'est easy. De fou. Easy peasy, lemon squeezy. Vas-y, c'est easy. De fou. Vas-y, mon Cassis, tu nous dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Et bah. Go! Est-ce que c'est un humain ? Oui. Est-ce que c'est un homme ? Oui. Ah, est-ce oui. qu'il a les cheveux blonds quand il s'énerve ? Non. Non. C'est un humain, du coup.
Hein? S'il a les cheveux blancs quand il s'énerve. C'est pas un humain s'il a les cheveux blancs quand il s'énerve. Est-ce que c'est Yamcha? Non. Non. Ah merde. Est-ce que c'est Krilin? Non. Est-ce que c'est. Je vous ai dit que c'était un homme, j'ai vu. Oui. Oui, c'est un homme. Oui. Est-ce que c'est Monsieur Satan? Oui. Oui. Incroyable, 27 ans. Putain, il y a tous les personnages qui connaissent ça en fait. Oh la vache. Oh la vache. Ah, c'est une stratégie qui marche, hein. Kestis, quand tu iras te trouver une nana, tu iras lui demander si t'es pas déjà cocu. Ok, enfoiré. T'aurais dû lui mettre un truc plus compliqué. Ouais, mais j'avais peur qu'il sache. Pour ça, j'aurais mis celui que t'as mis à Stalas, j'aurais jamais trouvé. Pour Sonata, bah attends, je peux le trouver quand même avant. Pour Sonata, ce sera ça du coup. Ouais, je regarde mon Discord. Bah, comment ça, y a rien? Ok. Hop, je réinitialise 30 secondes. T'es prêt? Vas-y. Et bah go. Est-ce que je suis un terrien? Non. Est-ce que je suis un Namek? Non. Est-ce que je suis de la race debout? Est-ce que je suis un Majin? Non. De la race de Freezer? Non. Est-ce que je vis sur Terre? Non. Ok, je vis dans l'espace. Tu vis sur une planète qui. On a. Est-ce que je vis sur la planète de Maître Caillot? Non. Est-ce que je vis en enfer? T'es actuellement en enfer. Je suis actuellement en enfer. Est-ce que je suis le maître des enfers? Non. Hop. 30 secondes. Ok. Je chauffe. Tu chauffes plus que Stalas. Bah, Stalas, quand tu veux, t'es prêt? Attends, c'était quoi que nous avais posé? Donc je suis un homme, t'es rien. Mais pas humain. Ouais. Oh, je sais, je crois savoir qui je suis. Même si c'est vraiment ça, c'est vicieux. T'es prêt, Stalas? Vas-y, go. Est-ce que je suis un cochon? Non. Non. Est-ce que je suis un chat? Oui. Oui. Donc je suis Plume? Oui. 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 Bien joué. Parce que j'ai plus son nom en VO. Si je clique sur Plume. Je crois que c'est Pual. Puarou. Pierre. Puarou. Pual, ouais, c'est Pual. Ouais. Comme ok, Krilin, et bah 8 secondes Krilin, pour faire Krilin, mieux. Sonata? Bah, je tente mon try, après j'en ai un deuxième et puis on voit. Hein. Et bah, vas-y, go. Est-ce que je suis Devilman? Non. Non. Putain, est-ce que je suis Janemba? Non. Non. Je vis dans les enfers. Je suis l'assistant du diable? Non. Je sais plus comment il s'appelle, le diable. Putain, je vis dans c'est les enfers. C'est pas le diable, c'est Daima. Ouais, tu vois, c'est ça. Je suis un criquet? Un criquet? Non. Non. Oui, tu sais, le criquet de Caillou, là, j'ai perdu son nom. Non. Ben non, mais je vis pas sur la planète de Psycho. Donc je vis en enfer. Tu es actuellement en enfer. Bon, tu es actuellement je en suis enfer. Actuellement en enfer. Je laisse le chrono tourner. Parce hein, que oui. Et je suis pas un humain. T'es pas un humain. Non. Je ne suis pas Tao Pai Pai. Putain, tu m'en as filé un dur là. Ah, je pensais pas, désolé. Tu peux lui donner un indice. Hein. Bah vas-y, donne-lui. Ou je si lui en donnant. Ouais, vas-y. T'es un des grands méchants de la dernière saga. Oui, c'est vrai. De quoi sur de la dernière Babidi? Oui. Oui. ouais, ok, d'accord. Il était un peu dire, ok. Babidi, je sais plus quelle race il est. Je sais pas, c'est pas un sorcier. Il est pas terrien. C'est un sorcier, il est pas terrien, c'est un alien. Et là, je crois qu'il a une race. Ouais. Je ne sais pas si Toriyama a donné la race des. C'est vrai que j'ai pas pensé. Il a juste défini comme étant en. Ce qui lui a niqué sa race. Bah, il a pas trop. C'est pas trop marqué. Bah, après, pour tout Dragon Ball Luigi. Il faut le trouver, mais. Okay, enfin, voilà. Ouais. Contre toute attente, qu'est-ce qu'il a trouvé, même si je lui avais donné un facile en premier. Ouais. Bon, ça, tu pas ensuite, Babidi, il est super proche des Kaioshin, donc je suppose que doit y avoir un lien quelque part avec ça. Proche des Kaioshin, pas spécialement. Bah si, parce qu'en fait, il dit dans l'histoire que son père était lui-même un sorcier et qu'il veut réveiller Majin Buu pour venger son père. Oui, mais parce que son père a créé Bibidi a créé Buu, le Majin Buu qui a tué les Kaios, mais sauf que comme Buu était incontrôlable, Bibidi a fini par l'enfermer et quand Bibidi a enfermé Buu,
il y a le Kaioshin, je sais plus son, d'ailleurs qui a un nom. Le grand maître Kaioshin, ils l'ont juste appelé le grand maître Kaioshin. Non, mais il a un vrai prénom. Je crois que c'est juste. Non, je crois que c'est. Bon, enfin, bref, il s'appelle Bernard. Enfin, il a un prénom, mais je ne me souviens plus. Qui arrive et qui tue. Babidi voit ça et du coup il part en quête pour tuer l'assassin de son père, mais ils sont pas liés. Ça c'est le seul lien quoi. Mm-hmm. C'est un peu Batman qui va affronter le Joker parce qu'il a tué ses parents, tu vois. C'est bon, ça c'est une connerie, mais ouais. Bon, bien. Non, parce que les caillots sont des fruits à la base. Oui. Et ça, je veux dire, c'est vrai. Et ça, ça me laisse encore sur le cul. Ça marche. Bah écoutez, c'était très sympa en tout cas. Puis bah, on va pouvoir conclure sur le comptoir. Oui, il est temps. Voilà. Nous allons nous coucher, nous reposer. Ouais, bah sur ce. Messieurs, bah, enfin, sur le live surtout, bonne soirée à vous tous. Merci d'avoir suivi. Et puis bah, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bonne soirée. Ciao. Allez, je ferme, tout le monde dehors.